Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Alors, si on a tout entendu et tout lu sur le rôle et l'influence des parents dans la construction de l'enfant, les frères et les sœurs restent souvent les grands méconnus de la saga familiale. Pourtant, la fratrie est un concentré de sentiments puissants, comme la complicité avec une petite sœur craquante, l'amitié entre deux frères de sang, l'amour d'une grande sœur pour ses petits frères, la compassion pour un frère malade, la rivalité avec un frère plus brillant ou plus musclé, ça dépend de l'âge, la jalousie vis-à-vis d'une sœur plus belle, la haine pour un frère ennemi, autant de relations dans lesquelles chaque enfant puisera ses forces et ses faiblesses pour sa construction pour plus tard. Ce soir, nous allons voir que les frères et les sœurs peuvent être les meilleurs amis du monde, mais aussi des ennemis très particuliers. Comment grandir à l'ombre d'une sœur qu'on jalouse ou d'un frère qu'on admire trop? Les liens de sang obligent-ils les frères et les sœurs à s'aimer? Ce n'est pas toujours le cas. En quoi le rôle des parents est-il déterminant dans l'entente de leurs enfants? Et comment se tissent et se dénouent les liens fraternels? C'est ce que nous allons demander à nos invités ce soir. Je présente Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ça a l'air. Oui. Vous êtes en forme? Oui. Alors Corinne, vous avez une sœur qui a 2 ans de moins que vous. Vous avez 21 ans, votre sœur a 19 ans. C'est votre sœur cadette. Vous avez des sentiments étonnants pour elle. Lesquels? D'un côté, elle me gêne. Enfin, je l'aime. Et de l'autre côté, je ne la supporte pas. J'ai l'impression qu'elle m'empêche de vivre. De quelle façon? Je ne sais pas, je ne la supporte pas. Je ne supporte pas de la croiser dans le couloir de la maison. Je ne supporte pas de parler avec elle. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais je lui reproche d'être mieux que moi en tout, en fait. Voilà. Mieux que moi en tout. À l'école, enfin, avant, quoi. Mais à l'école, dans le sport, physiquement. Depuis quand, ça? Je crois que je le ressens depuis que je suis toute petite. Depuis qu'elle est arrivée sur Terre? Ben, je pense que j'ai dû le ressentir déjà là. Vous lui avez dit que vous lui reprochiez le fait d'être née? Vous quand je m'emporte, oui. Quand je m'emporte, quand on se dispute, ça arrive toujours avec des mots, enfin, des mots super violents. Oui. Et à chaque fin de dispute, je lui dis, de toute façon, tout ce que tu as fait pour moi, c'est, enfin, tout ce que tu as fait pour me gâcher la vie, c'est d'être née, quoi. Donc, voilà. Eh ben, on verra comment elle le prend. Natacha, bonsoir. Bonsoir Nadia. Bonsoir à toutes les deux. Bienvenue Nadia. Vous avez 2 enfants, donc Natacha, et aussi un grand frère. Quel âge il a ton grand frère? 13 ans. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? À Périgueux, avec ses grands-parents. Il n'habite plus avec toi? Non. Pourquoi? Ben parce que je ne supportais plus qu'il vive avec moi. Il m'énervait. Comment? Ben, des fois, il me frappait et puis il était jaloux. Ben, ça arrive dans toutes les familles, non? Ou c'était plus chez toi, t'as l'impression? Ben, je crois que c'était plus chez moi. Ouais. Ça, c'était tout le temps? Ben oui, tous les jours. Et tu te défendais? Ben, je venais vers ma mère. Tu as été voir ta mère pour te protéger? Oui. Et finalement, votre fils, vous avez fini par l'écarter de la maison? Enfin, j'espère momentanément. Ça a été malheureusement la seule solution parce que c'était insupportable et invivable. Il avait des propos extrêmement racistes envers sa sœur. Racistes? Oui. C'est-à-dire? Eh bien, il a... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il traitait d'arabe. De Salam. Mais c'est ton frère? Ça peut prêter à sourire, mais c'est... Vous avez la même maman et le même papa? Exactement, oui. Et il traitait d'arabe? Oui. C'est pas des propos que j'ose pas dire à l'antenne. Hein, pire que ça? Extrêmement violent. Et bon, il arrivait aussi d'être très violente, très violent avec elle, donc... Ça dure depuis plus d'un an et demi. Hein. Et donc, vous avez pris cette décision de vous séparer de votre fils, c'est ce qui est dur. Fait. Oui, très honnêtement, depuis un mois, je ne dors pas bien et je ne peux pas dire que je sois bien. Ouais, c'est très dur à vivre. Et toi, Natacha, il te manque, ton frère? Oui, d'un côté non et d'un côté oui. Alors du côté non, c'est quoi? C'est que t'es tranquille maintenant? Oui, voilà. Et du côté oui? Ben, j'aimerais bien le revoir. Tu l'aimes? Oui. Tu lui dis? Oui. Comment? Ben, je lui dis je t'aime. Mais comment? Tu ne le vois plus, il n'habite plus chez toi? Ben, des fois, je téléphone et je lui envoie des lettres. Ah bon? Et avant, vous disiez je t'aime? Ben oui. Vous avez toujours dit « je t'aime ». Ben oui. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez un frère aîné, vous aviez un frère aîné, et entre vous et ce grand frère, c'était comme deux étrangers qui ne se comprenaient pas, c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ce frère, donc proche, mais en même temps très lointain, vous a annoncé qu'il était atteint d'une leucémie? Ben c'était un peu... c'était la catastrophe déjà, parce que même si on n'était pas très complices, ça restait malgré tout mon frère. Donc, à partir de ce moment-là, il a fallu faire les recherches pour savoir qui était compatible, puisque nous sommes 4. Pour lui offrir une greffe de moelle. Pour lui offrir une greffe de moelle osseuse.
Qui pouvait le sauver. Qui pouvait le sauver. Mmh. Et malheureuse élue, c'était moi. Donc j'étais contente, et lui aussi. C'est ça qui était incroyable, c'est que il m'appréciait pas, on ne s'appréciait pas trop, mais quand il a su que c'était moi, il était content. Ça vous a rapproché ? Complètement, complètement. Il n'a pas fallu attendre la greffe. C'est-à-dire que c'est toute la préparation de la greffe, le fait d'aller à l'hôpital, j'étais tout le temps avec lui. Et le fait qu'il ait un peu de vous en lui, ça vous a fait quoi ? Ce qui est terrible, c'est que dans toute cette période d'attente de greffe, on ne se rend pas compte de ce que les gens nous disent. Et on m'a dit, tu vas être sa seconde maman, tu vas le sauver, ça va être ton enfant, enfin, tu vas lui redonner la vie. Et bien, à cette époque-là, ces mots-là, ils ont une force incroyable dans l'espoir. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est la cata. Parce qu'en guise de donner la vie, j'ai l'impression de lui avoir donné la mort. On verra ça, Véronique, et comment vous composez avec ça depuis. Je vous présente celui qui conclura l'émission de ce soir, notre spectateur privilégié. C'est un grand scientifique reconnu et écouté dans le monde entier. Il est généticien, il est directeur de recherche à l'INSERM, chef de l'Institut Cochin et membre du comité consultatif national d'éthique. Il vient publier chez Nil Éditions « Raisonnable et humain ». Je vous demande d'accueillir Axel Kahn qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Kahn. Ça vous intéresse, ce sujet ? Oui, ça m'intéresse naturellement. Ça m'intéresse à titre personnel, car je suis père de famille, j'ai des frères et des sœurs parmi mes enfants. Moi-même, j'ai deux frères que vous connaissez, le journaliste Jean-François. J'ai un autre frère qui est mort il y a peu de temps. Et c'est bien vrai que les frères et les sœurs, c'est le début de la société humaine où on s'édifie quand on a la chance ou la malchance, et on a les deux à la fois, d'en connaître. Et je crois que si l'on veut essayer d'expliquer comment commence à se construire un être humain, c'est dans l'ambiguïté de ses premières relations avec le frère, la sœur, que l'on adore, que l'on ne supporte pas, qu'on peut le mieux le dire. Donc je crois que l'émission peut être et sera certainement passionnante. Comment ça va avec Jean-François, vous ? Moi, ça va pas mal, merci. Ça devait être animé à table quand vous étiez petit, non ? Alors, je vais vous dire, c'était difficile d'en placer une. D'abord parce que, progressivement, les décibels montaient. Et puis, on ne veut pas céder. Aucun d'entre nous ne veut céder. On a une très grande estime l'un pour l'autre, mais on ne veut pas qu'il ait raison. C'est absolument insupportable. D'accord. Donc, c'est une rivalité intéressante, en tout cas. C'est une on rivalité pleine d'émulation. C'est une saine émulation. C'est ça. Et quand vous avez perdu votre troisième frère, comment la fratrie s'est retrouvée ? Vous savez, d'abord, j'ai écrit à mon frère, j'ai publié un livre à ce moment-là, le livre précédent, qui s'appelait « Et l'homme dans tout ça ?» Et je l'ai dédicacé à Jean-François en lui disant « Écoute Jean-François, il faudrait qu'à deux, on soit comme si on était trois. » Donc, bien évidemment, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et d'autre part, ce frère que j'ai perdu, et on parlera probablement de cette dimension de la fraternité, était pour moi beaucoup plus le maître étalon. Celui par rapport auquel je me jaugeais, je me jugeais, auquel je me référais. Et je pense que la réciproque était vraie. Si bien que d'un seul coup, je me suis trouvé comme une grandeur qui ne pouvait plus être mesurée, qui flottait en quelque sorte dans le non-dit. Et j'ai été tout à fait désemparé. Bon, donc vous êtes rapproché encore plus de Jean-François pour essayer de on trouver jamais de nouveaux repères. Oui, voilà. Ouais. Pour trouver de nouveaux repères, en tout cas. Je présente nos autres invités à qui nous avons consacré un reportage pour mieux découvrir leur histoire. Maxime et Rémi, bonsoir à tous les deux. Alors, qui est l'aîné ? C'est vous. Oui, c'est moi. Vous avez l'air un peu plus vieux. C'est donc vous le... c'est un compliment à votre âge encore, non ? Oui, tout à fait. Vous le prenez mal ? Non. Non, plus mûr, je veux dire. Vous avez l'air d'un bébé, voilà, ça va comme ça. C'est donc vous le cadet, Rémi. Est-ce que ça a été parfois une place difficile à tenir dans la fratrie ? D'être le plus jeune. Oui, oui, oui. Ouais. Faut le dire, hein. On se sent obligé d'avoir des choses à prouver tout le temps, quoi. On se sent un petit peu écrasé, surtout quand on n'aime pas l'autorité. Écrasé voilà. Par Maxime ? Un petit peu, oui. De quelle façon ? J'avais mon père, il n'était pas vraiment présent. Il était là présent financièrement, mais il n'était pas vraiment là pour nous donner des leçons, tout ça. Donc Maxime s'en chargeait pas mal. Et moi, j'acceptais pas vraiment, quoi. Vous êtes papa ? Oui, j'ai un côté un petit peu organisateur, un petit peu autoritaire, oui. Vous en étiez conscient à l'époque ? De le faire un peu trop, enfin, en tout cas au goût de votre frère ? Pas vraiment, et si j'y pensais, je pensais bien faire. Alors, en tout cas, votre rivalité, si on peut dire, s'est cristallisée dans une affaire de cœur. Ça arrive entre deux frères, il y en a plein la mythologie et la littérature. Pour vous, c'est arrivé dans la réalité. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Je vous propose de regarder un extrait du reportage qu'on vous a consacré. J'étais avec une jeune fille,
depuis 5 ans. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je l'ai emmenée en vacances avec la famille. Et puis elle s'est découvert des points communs avec mon frère. Je me disais, c'est bien fait pour lui, en gros, quoi. Pendant un moment, je me suis dit ça. Et puis avec du recul, quand j'ai su vraiment le mal que ça lui avait fait, c'est sûr que on a quand même pas mal de regrets, quoi. On se dit, c'est dommage, quoi. C'est un peu toi qui m'as construit, c'est un peu toi qui m'as fait, puisque tu t'es pris pour mon père, et c'est toi qui récolte. Hein. Je me suis dit, voilà, quoi, dans le passé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Aujourd'hui, il a ça, voilà, c'est tout. Je pensais pas que tu voyais les choses comme ça. Je sais que j'aime bien avoir un contrôle sur ce qui m'entoure, mais à ce point-là, ça fait un petit peu effet boomerang, tu vois. Toi, t'as pas vu le mal que tu me faisais, moi, j'ai pas vu le mal que je te faisais, tu vois. C'est un petit peu pareil. En fait, en se prenant pour votre père, il voulait pas vous faire du mal. C'est sûr, mais c'est mon frère, c'est pas mon père. Et pourquoi vous voulez absolument lui faire payer quelque chose, enfin une sorte de protection et d'éducation qu'il voulait vous donner? Parce qu'il le faisait pas forcément dans le dialogue. Comme c'était mon frère, il savait pas forcément parler comme mon père. Et puis quand on est gamin, on est vite arrivé au rapport de force et compagnie, un petit peu comme dans la cour d'école. Vous êtes beaucoup battu? C'est arrivé pas mal de fois, oui. Battu comme des frères ou battu comme des adversaires? Comme des frères, comme des frères. Ouais. Moi, je note que ce Maxime a encore le nez intact. Ouais, ouais. Non, moi, c'est pas avec lui que je me suis aplati un petit peu, non. Fait de la boxe. Ouais. On verra ça. Je vous présente Marie-Noël et Marion. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Tu as quel âge, Marion? 10 ans. Bon. Tu as 3 frères et sœurs. Vous avez 4 enfants. Oui. J'ai dit une bêtise? 2 frères. 2 frères puis 1 sœur. C'est ça. Égale 3. Oui. Toi, tu es la troisième? Oui. C'est bien ça? Il y a 2 grands et 1 petit? Oui. Donc tu es la troisième. Tu as un frère qui a 14 ans et qui fait vivre un enfer un peu à toute la famille. Qu'est-ce que tu as comme sentiment pour ton frère? Comme sentiment? Je l'aime. Des fois je l'aime, des fois je l'aime pas parce que quand je l'aime pas parce que il tape sur nous. Sur qui? Sur ma mère, sur moi, sur ma sœur. Pourquoi? Quand il a pas le côté, quand ma mère prête pas quelque chose, lui il tape dessus, il casse tout. Mais pourquoi? Pourquoi il veut tout casser? Il veut taper tout le monde? Je sais pas. Il le fait, quoi. Voilà. Et comment tu réagis, toi? J'interviens, je les sépare. Du don. Il a 14 ans. Comment tu fais pour le séparer? T'es assez forte? Non. Tu lui parles? Oui, je lui parle gentiment. Mmh. En train de lui dire qu'il faut pas faire ça, tout. Et il t'écoute? Des fois oui, des fois non. Ouais. En tout cas, je crois que tu es la seule un peu à lui tenir tête dans la famille, à ne pas avoir peur de lui. Oui. À t'occuper de lui, même quand il a été méchant. Tu veux le protéger, ton grand frère? Je veux le protéger, Oui, je veux bien le protéger. C'est ça? Certains moments, non, puisqu'elle a la réplique quand même derrière lui. Elle sait que, il va venir l'enquiner comme 2 frères comme ça. Mmh. Moi, j'ai les 2 gars entre eux. C'est la bagarre du matin jusqu'au soir. On va voir un extrait de ce reportage qu'on vous a consacré. Allez. Le roi ici. Il se croit le chef là. Marie-Noël élève seule ses 4 enfants, 2 fillettes de 8 et 10 ans et 2 garçons déjà adolescents, dont l'un ne peut s'empêcher de semer la pagaille à la maison. Mais non, arrête là, oh! Ah ouais, t'as voulu voir ça? Je vais débrancher tous tes fils de télé, tu vas voir, je vais faire la même chose. Avant, t'es enfermé dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je range sa chambre parce que si c'est lui qui va, s'il va pas le faire, il va être puni.
Bah, il va faire un penche quoi, il va être fini. Quelle gentille sœur. Tu applaudis Léo? Léo, c'est toi Léo. Bonjour Léo. Bonjour Axel. Bonjour Véronique, bonjour. Bienvenue à tous les trois. Nous allons commencer cette émission avec le reportage qu'on vous a consacré. Madiane, tu as l'air bien en forme, Léo, il est content? Oui. Pourquoi il est content? Pourquoi tu es content, Léo? Pourquoi tu es comme content? Comme ça? Tu te sens bien ici, très bien. Axel, tu as combien de frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Avec qui tu es le plus complice? Avec Léo. Pourquoi? On n'a que 3 ans d'écart, qu'avec ma sœur, on a 6 ans. Ouais. Puis c'est un garçon, il aime les jeux de garçon. Ouais. Et toi aussi. Tu avais 3 ans quand Léo est né. Est-ce que tu as réalisé assez vite qu'il n'allait pas grandir exactement comme toi? Oui. Quand je voyais que moi j'arrivais à faire des choses que lui n'arrivait pas. Par exemple? Dans le jardin, je courais plus vite que lui. Et puis. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Qu'il y avait quelque chose. Il fait souvent l'idiot comme ça? Ouais. Il aime bien s'amuser. Ouais, il a raison. Il y avait quelque chose, tu disais? Oui, ouais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, que ça n'allait pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends à Léo? Je lui apprends à écrire, on joue ensemble. Puis je lui apprends à grandir, quoi. Tu lui apprends à grandir? Comment tu fais? Tous les jours, quoi. Plein de petites choses? Notamment s'occuper de ses vêtements, on va voir ça dans le reportage. Parce que ta maman a tendance à en faire un petit bébé, tu trouves, de toi? Explique-moi ça. Il ne peut pas dire ce qui ne lui plaît pas, ma mère va l'habiller avec des vêtements. Avec des Casimir sur les chaussettes? Voilà. Chaussettes. Est-ce qu'il te comprend toujours? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander s'il est content d'être là, tout ça? Léo, regarde-moi. T'es content? Il est sympa, il est toujours de bonne humeur? Oui. Ça chahute parfois quand même, un peu entre vous? Oui, mais souvent quand il m'énerve ou quand ça chauffe entre nous deux, tout de suite après il va s'excuser et puis après c'est reparti quoi. Et avec Juliette, comment ça se passe? Léo, avec Juliette? Oui. Tu l'aimes bien? Oui. Ah. Elle est où Juliette? Là. Ah oui, Juliette, bonsoir Juliette. Là. Et là aussi dans l'écran. Comment ça se passe entre Juliette et Léo? C'est un peu comme moi et lui, on s'entend bien. Ouais. En fait, moi je m'entends bien avec Léo et Juliette s'entend bien avec Léo. Ça va Juliette? Ouais, tu t'entends bien avec Léo? Oui. Bon. Très bien, on va voir comment tu aides ton frère à grandir, pour reprendre tes termes. Alors, en tout cas, ces particularités de Léo par rapport aux autres petits garçons ne t'ont pas du tout éloigné de lui. Au contraire, tu penses qu'elles vous ont rapproché. Quand tu es à l'école, tu n'as qu'une seule hâte, c'est de retrouver ton petit frère. Ouais. Comment tu expliques que vous soyez aussi proches l'un de l'autre? Est-ce que tu penses que sa trisomie vous ont rapproché? Je pense que c'est plus, comme il est handicapé, je suis plus proche de lui pour l'aider. Mais par devoir ou par plaisir? Par plaisir, parce que c'est mon frère. Et parce que tu l'aimes? Mmh. Et tu prends du plaisir à jouer avec lui? Ouais. Beaucoup. On va voir ça. En tout cas, ce que tu sais, c'est que tu auras sans doute un rôle plus tard, hein, madame, le rôle de l'aider, on ne sait jamais. Il aura sans doute besoin de toi plus tard et puis tout au long de sa vie. Je te propose de regarder ce reportage que Sigrid Clément et Patrice Livet vous ont consacré, donc à tous les deux, Léo et Axel. Oui. 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 On va savoir dans l'image. Allez, Léo, on y va. Tu prends lequel? Non. Celui-là? Oui. Tiens. Oui. Voilà. 1, 2, 3. Tout le temps, il me manque. Quand je suis à l'école, je suis pressée d'être le soir pour le voir. Après, quand je le revois, je le prends dans mes bras. Je suis contente de le revoir, quoi. Oh, mais rince ta bouche! Du haut de ses 12 ans, Axel veille attentivement sur Léo, son petit frère. Pas question, par exemple, de laisser maman faire n'importe quoi avec ses vêtements. Le panier de Madame Simonet.
les chaussettes de Casimir. Elles sont très belles, ces chaussettes de Casimir. Ça fait bébé, hein. Oui, mais moi, j'aime bien Casimir. Mais oui, mais il a 9 ans. Hein. Il a 9 ans, oui. Donc, il doit plus mettre ça. Il doit plus mettre ça. Ouais, mais il aime bien, lui aussi, mettre les chaussettes de Casimir. Bah oui, mais si tu lui mets tout le temps, il va aimer. Donc, ouais. Il va rester bébé. Qu'est-ce que t'as réussi à faire enlever de l'armoire, du coup? Les pulls Mickey, plein de choses, tout ce que tu n'aimais pas, ouais. J'ai tout retiré, quasiment. Hein, j'écoute, j'écoute tout ce que tu me dis au sujet des vêtements. Et Léo, il est plus habillé comme moi je pensais qu'il devait être habillé, mais comme toi, hein, c'est-à-dire avec des vêtements, des enfants de son âge et pas de l'âge qu'il a dans sa tête, hein. Son vrai âge, bientôt 10 ans. Ouais. Juliette, 6 ans, la petite dernière de la maison, participe aussi beaucoup à la vie de Léo. De 4 ans plus jeune que lui, elle a du mal à rester la petite sœur alors qu'elle découvre qu'elle peut le dépasser. Allez. Lis. Tu lis ta première phrase. Qu'est-ce que tu nous as composé comme phrase? Le lapin. Mange. Croc. Des carottes. Le E. Oui. Marche. Mouche. Tu manges des mouches? Des fois, je fais lire ses étiquettes qui sont dans son cahier lecture. Ou des fois, je le fais des fois et un peu écrire. Juliette, quand elle a commencé à lire et à écrire, disait qu'elle était la grande sœur. Elle n'était plus la petite sœur. Alors, on était obligé de lui dire et de lui rappeler régulièrement que Léo restait son grand frère. Et c'est pas parce qu'elle savait lire et écrire qu'elle était plus grande que lui. Elle avait que 6 ans et Léo avait bientôt 10 ans. Le poisson. Le poisson. Papa. Complices, Axel et Léo aiment être ensemble, mais à l'extérieur, Axel appréhende les regards sur son petit frère trisomique. Il y a des gens, dès qu'ils le voient, ils tournent la tête. Il y en a d'autres, ils vont le regarder à plusieurs reprises. Ils croient qu'ils sont discrets, mais ça m'énerve un peu. Qu'est-ce qu'on va vous servir? Une baguette tradition, s'il vous plaît. Une baguette de 95 centimes. Dans la pièce. Merci. Je me suis comment? Le supplément. Voilà. Merci. Au revoir. Allez, bonne journée. Bonjour. Tu regardes à droite? Non, à droite. C'est où à droite? Là. Non, c'est à gauche. Là. Alors Axel, toi, quand est-ce que t'as pris conscience qu'il était un peu différent, ton frère? Bah, quand je voyais que il arrivait pas à faire des choses que je faisais moi. On était dans le jardin, que moi je courais, que je voyais qu'il avait du mal à marcher, à courir. Je demandais à ma mère à quel âge j'avais appris à marcher. Et que je voyais que Léo était toujours en retard par rapport à moi ou aux autres. Un câlin? Oui. Léo. Gros câlin? Oui. Léo. Axel aime répéter que c'est lui qui s'occupera de Léo quand ils seront adultes. Sans le handicap, il se demande souvent si lui et Léo seraient aussi proches. J'ai plusieurs copains qui ont un frère du même âge que Léo à peu près. Ils s'entendent pas bien, donc... Alors est-ce que ce serait différent si Léo n'était pas trisomique 21? Je pense quand même, parce qu'on s'entendrait peut-être moins bien. Parce que si... S'il n'était pas handicapé, il pourrait parler. Alors, quand on voit dans les autres familles, on dit « Oh là là, t'as vu, ils disent des choses horribles. Mm. » Toi non plus, t'aimes pas ça? Non. Non. Je pourrais pas supporter que mes enfants ne s'entendent pas. Et je pense, c'est vrai que je me projette peut-être beaucoup dans l'avenir, mais je me dis quand on sera plus là, quand il faut absolument que les liens soient hyper serrés. Quoi. Aimez-vous parce que vous êtes des frères et des sœurs, quoi. C'est vraiment... On n'est peut-être pas des amis, des super copains, des super copines, mais on est des frères et des sœurs. C'est hyper important, les frères et des sœurs. Je voulais vraiment
Ouais, des enfants qui s'aiment et qui se supportent et qui grandissent ensemble et qui portent un peu leurs frères, quoi. Je vais perdre. T'as encore gagné? Ça me fait plutôt plaisir qu'il soit plus fort que moi. Ça? C'est pas parce qu'il est handicapé que il aurait des difficultés partout, donc ça montre qu'il peut faire des choses. Léo, c'est qui le plus fort? C'est toi. C'est toi? Oui. Bah, attends. J'ai trop beau la caisse sur la maudite d'arrivée. C'est trop vide ma pelo. En fait, là, il regarde son reflet dans la télé. Il adore regarder son reflet ou jouer avec son ombre quand il y a du soleil. Il aime bien faire le clown, amuser la galerie. Il réussit à t'amuser, toi? Ah oui. Ça, c'était à la Guadeloupe. Ouais. Quand on avait été chez les cousins. Tiens, oh, c'est qui ça? C'est Léo? Quand je vois ces photos là, où ils sont tous les trois, par exemple. Là, tous les deux, ouais, c'est. Je sais pas, j'aime bien les. Je trouve que c'est une belle famille. Je suis fière. Ouais, franchement, ça, c'est émouvant de voir quand ils sont quand ils étaient petits comme ça. Puis en fait, ça se perpétue quand. Souvent, moi, je dis que c'est quand même un peu grâce à toi et grâce à Juliette, hein, si Léo en est où il est aujourd'hui. Mmh. Bah ouais. Parce qu'on le pousse beaucoup à faire des choses. C'était comme ça hein, que j'imaginais que tu sois avec ton petit frère. Que tu t'en occupes, que... Ouais, que tu t'en occupes, que tu lui fasses faire plein de choses. Que... Ça, quand je vois ces photos, moi, je trouve ça génial quand même. Hein, l'image que vous dégagez. Mmh. Hein, Léo? Oui. Oui, moi, je trouve que t'es un grand frère sympa quand même. Ça, c'était sympa, non? Il était bien le reportage, Léo? T'as trouvé ça bien? Oui? Ça t'a plu? Tu dis souvent oui? Tu dis non, parfois? Oui. Si, quelquefois, tu sais dire non. Ouais. On va pas t'embêter. Comment Axel, il s'en souvient plus quand il était tout petit, il a accueilli l'arrivée de son petit frère? Il avait un peu moins de 3 ans. Je me souviens pas avoir dit à Axel ou à expliquer à Axel que son frère était différent, ou alors c'était assez sommaire. Je me souviens pas. Je me souviens davantage d'avoir expliqué à Juliette. Et en fait, il a fallu d'abord gérer notre grande souffrance, notre difficulté à accepter l'enfant différent. Et c'est vrai qu'Axel a été un peu occulté pendant cette période. Hein. Un petit peu, je n'avais qu'un fils. Pendant longtemps. J'en prenais conscience, ça m'a aidé beaucoup à dépasser ça. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. C'est l'impression que tu as eue aussi, Axel? Ouais. D'avoir été un peu oublié? Il l'a dit une fois, c'est là que ça nous a vraiment interpellés. Moi aussi, j'aimerais être trisomique 21. Et là, ça a été vraiment la phrase choc, quoi, qui m'a... Non, un seul, ça suffisait largement. Mais au-delà de cette phrase, il se disait plein de choses, quoi. Il voulait également faire de l'orthophonie, aller chez le psychomotricien. Et là, ça nous a vraiment un peu percutés. Il voulait qu'on s'occupe de lui, quoi. Tout simplement. Oui. Ça, vous l'avez compris à ce moment-là? Oui. Est-ce que parfois, il t'envahit un petit peu trop, Léo? Non. Au contraire, parce que j'aime bien être avec lui. Donc, je ne dirais pas qu'il m'envahit. Qu'est-ce que tu trouves avec lui que tu ne trouves pas avec les autres? Il est toujours de bonne humeur, comme ça? Oui. C'est plus des choses que je trouve avec lui que... Quoi? On est plus proches, quand même. Parce que peut-être que s'il n'était pas handicapé,
Bah, il pourrait... être plus indépendant. Oui, voilà. Donc là, vous êtes proche, par la force des choses, mais aussi pour le plaisir. Tu te sens investi d'une mission vis-à-vis de ton frère? Bah oui, m'occuper de lui. J'aime bien être avec lui, quoi. Mais tu le fais jamais dans la contrainte? Non. C'est toujours... je suis content de m'occuper de lui. Avec tes nouveaux camarades, les nouveaux copains ou copines que tu rencontres, comment tu parles de ton frère? Comment tu le présentes? Bah, souvent, je dis que j'ai un frère handicapé, alors ils disent... bah, ça y est, t'as pas de chance, ça doit être pénible. Mais après, quand je leur dis tout ce que je fais avec lui, ils voient plutôt le côté positif. Quand tu joues avec tes copains, ils t'embêtent pas parfois, Léo? Non. Non. Est-ce que parfois tu as eu du mal à assumer, peut-être plus tôt quand tu étais plus jeune, le handicap de ton frère vis-à-vis des autres à l'extérieur? Peut-être que vous avez des souvenirs, Véronique, aussi? Notamment une anecdote sur un camping où Axel est revenu, non pas en larmes, mais très très en colère, parce que, et en disant, j'en ai marre d'avoir un frère handicapé. Et donc là, on lui a demandé quelques explications, et des gens avaient attendu notre départ pour questionner Axel. Et on n'avait pas trouvé ça très sympa. Tu te demandais quoi? Je me souviens plus. Ce que Léo avait. C'est vrai que quand il était plus petit, on ne voyait pas aussi bien que maintenant les traits de la trisomie. Et c'est vrai que les gens se posaient parfois... Les gens se posaient... C'est tout à fait naturel, hein, ça. Il n'y a pas de gel. Et donc les gens se posaient quelquefois des questions. On n'était pas très sûrs. Hein, est-ce que cet enfant est trisomique ou pas? Et donc on attendait qu'on soit parti pour questionner. Poser des questions à Axel. C'est toi qui as demandé ensuite, plus tard, à partir en colo avec Léo. Oui, c'est très récent. C'était quand? L'été dernier? Aux vacances d'hiver. D'hiver? Comment ça s'est passé? Bien. Bien, c'est-à-dire? C'était... tout le monde l'aimait, quoi. Quelle vedette. Oui, c'était un peu la mascotte de la colo pendant une semaine. Mais il s'énerve parfois, il craque. Quand il s'énerve, il veut s'énerver, ça va pas être longtemps, quoi. Ça va être 30 secondes, et puis après, il veut venir pour qu'on joue ensemble, quoi. Il n'est pas rancunier, quoi. Vous dormiez ensemble, la colonie, ou il y avait toi chez les grands, lui chez les petits? En fait, au début, j'étais dans une chambre de grands, et il était dans une autre chambre. Donc... et j'avais demandé au mono d'être dans la même chambre. Et puis, j'ai changé de chambre. Vous étiez ensemble ensuite? Ça vous arrive de dormir ensemble? Oui. Il aime bien dormir avec toi? Oui. Il est câlin? Souvent le soir, quand je vois qu'il... Tu l'aimes fort, oui. Tu l'aimes fort? C'est ça que tu as dit? Quand je vois qu'il ne dort pas, je lui dis de venir dans mon lit. Tu aimes bien dormir avec ton frère? Oui. Ouais. Tu aimes bien les câlins? Oui. Qu'est-ce qui t'énerve, Léo? Léo s'exprime très difficilement. Ouais. Tu peux lui demander? Léo, quand est-ce que tu n'es pas content, Léo? Quand est-ce que tu n'es pas content? Je ne sais pas s'il saura bien expliquer. Qu'est-ce qui te fait plaisir, en revanche? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes jouer aux jeux vidéo? Oui. Ouais, les jeux vidéo, beaucoup. Il est bon aux jeux vidéo? Ouais. Meilleur que toi? Ça dépend dans quel jeu. Tu penses que tu t'occuperas de ton frère toute ta vie? Oui, moi je dis ça, mais mes parents me disent que j'aurai ma vie et puis que je pourrai pas tout le temps m'occuper de lui. Ça veut dire que ta future femme, faudra qu'elle accepte ton frère? Ouais. Ce qui a l'air d'être plutôt facile, parce que Léo a l'air d'une très bonne composition. Oui, mais on le voit là dans ses bons jours. Hein. Il est aussi un petit garçon trisomique breton et très têtu. Ah, attention, le trisomique breton est un méconnu. Alors, c'est quelque chose, un trisomique breton. Doublement têtu, on va dire. D'accord. Avec une maman gendarme, en plus. Voilà. Oh là, ça doit marcher à la baguette, tout ça. Je vais demander à Delphine de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sur ce plateau. Viens, Delphine. Venez. Si vous voulez bien encourager Delphine, bonsoir. Delphine, je sais pas quel regard vous portez sur l'histoire d'Axel et de Léo, relation. C'est mignon. C'est beau, oui. C'est naïf aussi un petit peu parce que 25 ans après, non, quel âge il a, pardon, 10 ans. Ah oui. Oui, c'est ça, 25 ans. Tu fais pas tes 25 ans, toi. Ouais. C'est un petit peu différent, mais je retrouve quand même pas mal de choses
identique sur le parcours de ces deux enfants. Vous aussi, vous avez une sœur handicapée? Autiste, de 33 ans. Oui, qui est plus jeune que... plus âgée que vous, pardonnez-moi. Plus âgée que vous. Seconde. À partir de quel âge vous êtes rendu compte de son handicap? À l'école, parce que à l'époque, on était à l'école ensemble jusqu'à l'âge du CP, avant qu'elle rentre dans une institution spécialisée. Donc là, je m'en suis rendu compte. Justement, je pense à une anecdote. Une mère d'élève qui avait dit à ma propre mère « Oh ben, moi, je pense que mon fils, il est un petit peu attardé à l'école parce qu'il est à côté de ta fille. » En classe. Ouais. Des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai commencé à me dire « Ah, elle doit être différente. Ouais. » Avant ça, vous étiez rendu compte de rien à la maison? Si, sûrement des choses, mais c'est... Vous manquiez de référent, quoi. Ouais, non, c'est loin. Elle parlait? Elle parle. Donc ça, c'est quand même un avantage. Par contre, elle jouait toujours toute seule. Ah bon? Elle fait la collection, par exemple, des cailloux. Donc, on habite dans un petit village donc, où il y a beaucoup de cailloux, de terre. Donc, elle était toujours à quatre pattes, à ramasser ses cailloux. Dans elle son était monde. Toujours seule dans son monde. Donc, j'essayais de l'en sortir. Donc là... C'est votre seule sœur? C'est ma seule sœur. Ouais. Et je trouve ça beau que vous en ayez un troisième, d'ailleurs. Ça, c'est chouette. Ça me manque. Ouais. Une petite sœur, en l'occurrence. Est-ce qu'elle vous empêchait d'avoir une enfance normale? Certains moments, oui, elle m'a empêchée d'avoir une enfance normale parce que le week-end, il fallait s'occuper d'elle quand elle arrivait. C'était elle. Elle était où pendant la semaine? Elle était en centre? Ouais, en centre spécialisé, IME, enfin l'école. Et puis, donc, moi, j'étais agitée, j'avais un dossier scolaire catastrophique. J'étais révoltée, pourquoi elle, et puis moi en second, quoi. Donc révoltée contre elle, comment ça s'est concrétisé, ça? J'étais pas sympa avec elle. J'étais où je l'aimais, parce que je l'aime énormément, attention, hein, mais où je l'aimais passionnément, où elle m'énervait, quoi. Donc quand elle m'énervait, je me servais d'elle comme mon propre valet, va me chercher un verre d'eau, donne-moi à manger, débarrasse la table. Ça se concrétisait comme ça. Vous aviez quel âge à l'époque? Là, j'avais 10, 11 ans. Et elle? Et elle avait 14, 15 ans. Ouais. Elle le faisait? Elle fait tout. Le seul souci de ma sœur actuellement, c'est qu'on lui dit saute de la fenêtre, elle saute de la fenêtre. Mais elle fait tout ce que vous lui dites ou elle fait tout ce qu'on lui dit? Tout ce qu'on lui dit. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Elle ne sait pas dire non, donc vous en êtes vraiment servi? Je m'en suis vraiment servi. Vous en avez usé, abusé? Usé, abusé. Vous avez été dur avec elle, hein, même physiquement? J'ai été dur. Physiquement. Je l'attrapais par les cheveux, je lui disais tu me fais ça. Non, j'étais pas chouette. Vous le faisiez mal? Par contre, je la tapais pas ou sans. Hein. C'était, je la promenais. Non, mais je le dis parce que des fois, il y en a. On parlait de couteau. Moi, c'est pas le cas. Hein. J'étais pas, c'est pas dans cet extrême-là. Je la prenais par les cheveux ou je la grippais par le bras ou je lui donnais une claque. Ça s'arrêtait là. Pourquoi? C'était mon refus. Je l'acceptais pas. J'acceptais pas Christelle. Mais vos parents ont dû s'en rendre compte que vous étiez violent avec votre sœur? Oui, alors d'ailleurs j'étais donc pas sympa, donc je pense qu'à un moment mes parents ont eu la bonne idée de nous séparer, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis dans un établissement privé avec un internat. Donc ça m'a beaucoup aidée, ça m'a permis de me poser, de plus être avec elle la semaine, parce qu'elle était quand même plus, à l'époque elle était plus la semaine, elle était là. Donc j'ai pu couper un peu le cordon avec mes parents et elle, et vivre ma propre vie à moi sans elle. Mais quand vous étiez violente avec elle, vos parents étaient dans la maison? Non, je cachais. Non, ils ne savaient pas. Et après, elle ne disait rien? Ah, mais elle ne dit rien. Elle ne pleure pas. Enfin, elle pleure si vraiment on la pousse à l'extrême, mais sinon, elle n'a pas un degré dans le sens où elle ne dit pas si elle a mal, si elle va bien, ça, elle ne le dira pas trop. Et une fois que vous l'aviez molestée, vous vous sentiez triste. Comment? Vous étiez triste après? Triste, bien sûr. Donc, des gros câlins. Est-ce qu'Axel s'en prenait à Léo quand ils étaient tous les deux plus petits? Jamais. Ça a toujours été à mon égard. Très peu à l'égard de son papa. Ça a toujours été avec moi. Comment évoluaient ensuite les sentiments que vous aviez pour votre sœur quand vous aviez l'âge d'Axel ou même un peu plus grand à l'adolescence, disons? Toute la période où moi j'ai fait mon parcours scolaire, vraiment très bien parce qu'on passait les week-ends ensemble. Donc, on habite sport d'hiver, donc on fait pas mal de ski, pas mal de choses. Elle fait ensemble. Du ski? Elle fait très bien du ski en plus. Côté sport, elle aime l'eau, elle aime le ski, elle aime marcher. Donc, chez nous, c'est quand même. C'est important. C'est important. C'est bien, ça tombe bien. Donc, on fait du ski quand même. Enfin, on faisait beaucoup avant, un peu moins aujourd'hui. Beaucoup de sport ensemble, et ça, c'était super important. D'accord, on était très complices, hein, vraiment. À partir de quel âge vous avez arrêté de la taper, cette pauvre sœur? Pardon? À partir de quel âge vous avez arrêté de la maltraiter? 13, 14 ans. À l'adolescence, s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, quand je suis partie, je pense à cet internat. Ça a été la coupure. Donc là, j'avais 13 ans. Et puis c'est un âge aussi où on change, où on voit sans doute les choses différemment. Oui.
Quel regard vous portiez sur ces années de maltraitance vis-à-vis J'en étais pas fière. Hein. J'étais pas très heureuse d'avoir eu des gestes incorrects vis-à-vis de ma sœur. Est-ce que vous avez essayé de vous expliquer ou de vous excuser vis-à-vis d'elle? Oui, par les bisous, parce que je suis très câline, donc je lui ai fait plein de bisous. Mais pas par les mots? Hein? Pas par les mots? Pas par les mots. Si, je t'aime, comme on dit souvent. Mais excuse-moi ou pardonne-moi. Oui, excuse-moi, mais elle comprenait pas. Vous êtes sûre qu'elle comprend pas? Je pense pas. Aujourd'hui, qui s'occupe d'elle? Ma mère et mon père. Bon. Est-ce que cette charge pourrait vous revenir un jour? Oui. Alors là, je suis actuellement... aujourd'hui, j'ai 30 ans et je construis ma propre vie. Moi, j'ai envie d'être maman. Donc, je suis actuellement dans une période où je suis assez égoïste par rapport à elle. Je vis ma vie avec mon amie. Par contre, mon amie a très bien accepté Christelle. Ça, il est même plus patient que moi avec elle. Encore maintenant? Ouais. Vous dites maintenant, vous pensez un peu à vous êtes égoïste, mais vous pensez à plus tard en vous disant que les choses vont changer? Je pense à plus tard et je sais qu'elle sera avec moi, ça c'est sûr par contre. Jamais je la laisserai. Elle sera toujours en société parce que ça, elle est très heureuse, elle travaille, elle a vraiment une vie sociale bien à elle. Et par contre, le week-end, elle sera avec nous, ça c'est sûr et certain. Axel, tu comprends que cette jeune femme ait été énervée par sa sœur handicapée quand elle était petite? Ça dépend des personnes. Mais dans son histoire, elle? Elle n'a pas l'air méchante, hein? Je suis pas méchante, hein. T'as pas l'air de bien comprendre? Non. Ça dépend si on est patient, en fait. Oui, mais j'ai remarqué qu'il était très patient, beaucoup plus patient que moi. Ça t'a fait mal, ce qu'elle a raconté? Oui, parce que moi, je m'imagine pas taper Léo. Ouais. Comment l'expliquer, Delphine? Je sais pas, une colère. Pourquoi elle est handicapée? Pourquoi j'ai pas une sœur avec qui je peux jouer, avec qui je peux parler, avec qui j'aurais pu raconter mes relations amoureuses, affectives, professionnelles? Pourquoi? C'est peut-être comme ça que je l'explique. Ça peut l'air de te convaincre. Hein? Non. On n'est pas encore arrivé dans cette période. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on imagine tout à fait. Peut-être que... L'espoir d'hiver, par exemple, c'est très récent. Hein. Ça a été une démarche tout à fait volontaire d'Axel que de vouloir partir avec son frère. Et notre première réaction a été de dire non, il n'en est pas question. Et c'est vrai que c'est lui qui nous rappelle beaucoup la réalité, que son frère a 10 ans bientôt, dans quelques jours. Et que, 10 ans, Léo? Bientôt 10 ans, oui. Et il est vrai qu'on s'attendait, on en avait parlé, on s'attendait à ce qu'il revienne de la colo en disant plus jamais cette expérience, parce que ça aurait pu aussi être une expérience pas très réussie. Et on en parle quelquefois, on s'attend aussi à ce que cette période d'adolescence, puisque Axel entre gentiment... Il aura un petit peu plus sa vie avec ses amis, et là, il y aura peut-être un petit refus, mais c'est passager, hein, ça ne dure pas non plus. Voilà. À quel âge vous avez commencé à vous déchaîner sur votre sœur? À quel âge vous avez plus supporté ce qu'elle renvoyait vers vous comme image? 7-8 ans, c'est cet âge-là. Donc j'ai l'impression qu'il a déjà passé cet âge, donc c'est chouette, tant mieux. À quel âge, Axel? 12 ans. Allez, 12. Après, il y aura d'autres paliers... à passer, mais quand il y a une bonne structure familiale, ça se passe très bien. Nous, ça se passe très bien à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Maintenant, vous êtes très proche. Oui, mis à part que je n'ai pas besoin d'elle tous les jours au quotidien, parce que moi aussi, je veux être maman. Elle a besoin de moi, oula oui. Le vendredi, elle court. Hein. Non, elle monte et on passe toujours notre vendredi soir ensemble. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu disais, Léo? Qu'est-ce qu'il disait? Axel, il a dit quoi à l'instant? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il a juste... Il est content. D'accord. On donne la parole à Véronique, qui, elle, a tissé des relations sur le tard avec son frère. Comment est-ce qu'on peut tisser des relations avec un frère quand on n'a pratiquement rien échangé jusqu'à l'âge de 35 ans? Je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça, malheureusement, au détour de cette maladie. Et je dirais que c'est vraiment ce qui nous a rapprochés et rapprochés aussi des autres frères et sœurs. C'est pas un peu triste de se dire que sans maladie, vous n'auriez pas été aussi proche? Si, c'est triste, c'est le constat. On ne s'entendait pas. Je sais que quand il allait chez mes parents, il téléphonait d'abord pour savoir si j'étais là. Et si j'étais là, il ne venait pas. Ah bon, vous étiez carrément en froid, quoi. Ah ben oui, je crois qu'on ne s'est pas parlé pendant 2 ou 3 ans. Ouais. On se voyait que
comme ça, mais on ne se parlait pas, on ne se côtoyait pas. Vous ignoriez, quoi, ouais. Sans vous faire la guerre. Par contre, j'étais la première à être au courant. Il m'a appelée tout de suite quand il a eu sa prise de sang. Vous êtes combien dans la famille ? 4. 2 garçons, donc il y a lui, moi, ma sœur et mon petit frère. C'est-à-dire qu'un jour, votre frère vous a appris qu'il était atteint d'une leucémie ? C'est-à-dire qu'il m'a appelé pour me dire « J'ai une prise de sang, j'ai 40 000 globules blancs, qu'est-ce que c'est ?» Et puis, une semaine après, le diagnostic tombe, leucémie. C'est vous qui l'avez appelé en premier ? Oui. Et comment ça s'explique, ça, alors que vous étiez si étranger ? Il m'a appelé et j'étais la seule à être au courant. C'est-à-dire que je n'ai pas averti le restant de la famille. Comment l'expliquer ? Et il ne savait pas qu'on était encore compatibles. Je ne sais pas. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Il avait besoin de réconfort. Mais il était plus proche de son autre frère, de son autre sœur ? Il était proche de personne. C'était, selon une expression, l'homme des cavernes, mon frère. Pas communicatif. Donc un peu plus tard, il apprend une semaine plus tard que c'est une leucémie. Toute la famille fait des tests pour savoir qui est compatible. Voilà, donc on a testé, comme on appelle... Et vous vous rendez compte que vous êtes la seule qui est compatible, voilà. La seule qui peut donner sa moelle osseuse à son frère. Oui, mais on avait très peur, on avait très peur, parce que même sur 4, il peut très bien y avoir aucun donneur. En l'occurrence, vous étiez donneuse. Ouais. Compatible. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez appris ? Contente. J'étais heureuse. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je me sens investie d'une mission, quoi. Ma mission, c'est sauver mon frère. Si ? Non, mais je crois. Et lui, quand il a su que vous étiez la seule compatible avec lui ? Content. Content ? Je suis content. Ouais. Je suis content que ce soit toi. En tout cas, avant la greffe, là, la fusion, elle a commencé. Quoi. Il n'y a pas eu besoin de la moelle pour fusionner. On fusionnait déjà. Ça a duré combien de temps, cette période ? Alors, c'est le chiffre 9 qui est assez dingue dans cette histoire. 9 mois, le temps d'une... gestation. Donc 9 mois, ils se sont passés entre le moment où j'ai appris que j'étais HLA identique et jusqu'à la greffe, et 9 mois de la greffe jusqu'à la mort. 9 plus 9. Comment s'est déroulée la greffe en elle-même ? Vous étiez côte à côte quand on a fait le transfert de moelle ? Non, on n'était pas côte à côte. J'étais dans une chambre à l'étage chirurgical, et puis lui, il était dans l'unité des greffes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je venais après de me réveiller, le téléphone sonne, et puis il fait « Allô, Véronique ?» Je fais « Bah oui ». Alors, la petite histoire, j'ai un enfant qui s'appelle Stan, Dimitri, et je dis « Comment ça se fait ?»« Oui, Stanislas, ça commence à bien faire, Dimitri, arrête tes conneries !» Je dis « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Bah, ta moelle est en train de couler en moi. Ça y est, je suis toi. » Et donc après, il a beaucoup cherché des similitudes. Il me disait, t'es frileuse ? Bah oui, c'est toi. J'étais pas frileuse avant. T'aimes salé ? T'aimes sucré ? Chocolat ? Bah oui, moi aussi. Il cherchait toujours. C'est-à-dire que je lui ai donné et il a pris. Et il en était fier. Et Jean-Claude, avant, était donc l'homme des cavernes, un peu nous, pas communicatif. Puis moi, je suis plutôt comme ça. C'est ce qui l'agaçait en plus au départ. Ouais. Ça l'agaçait que je sois un petit peu extravertie. Et j'avais la réputation de dire ce que je pensais haut et fort. Et lui, contraire. Et puis après la greffe, il m'a dit Véronique, depuis que j'ai ta moelle, j'ai des qui poussent. Ça ? Il m'a dit, j'ai des qui poussent, j'ai du caractère maintenant. Je vous disais, j'ai des seins qui poussent. Non. Des quoi, des... Oui. Plus bas. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il se sentait un tempérament, caractère plus fort, et il disait, oui, maintenant, je suis comme toi, je dis ce que je pense. Donc cette greffe a très bien pris sentimentalement, mentalement entre vous, mais malheureusement pas biologiquement. Non. Est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer tous les deux à cet échec ? Absolument. Vous n'en avez pas parlé ensemble ? Absolument pas. Il savait déjà, il était en train de préparer ce qu'on appelle un rejet. Alors dans la greffe de moelle, il faut savoir que ce n'est pas le corps qui rejette, c'est le greffon qui empoisonne. Qui empoisonne. Donc qui s'installe et qui se réveille un jour et qui se dit « Mais où suis-je ? Je ne suis pas chez Véronique, je suis un autre, son frère, je m'en fous, je ne connais pas, j'attaque. » Et il est mort en un mois de temps. Quelle est la dernière fois où vous l'avez vu ? La dernière fois où je l'ai vu ? Bah, à sa mort.
Vous vous rendiez compte qu'il allait disparaître? Non, je refusais totalement. Et un jour, on était tous les deux dans la chambre, donc moi, je me sentais déjà très mal. Je ne lui disais pas, parce que je ne voulais surtout pas montrer. Et il était déjà... il allait re-rentrer dans une nouvelle chambre stérile. Il m'a pris la main et il m'a dit « T'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. » Et là, vous compreniez ce qui allait se passer? Là, je lui ai dit « Mais comment tu peux dire ça ?» Parce que j'étais... Il me dit « Mais il n'y a qu'à te voir, quoi. » Il n'y a qu'à te voir. Il n'y a qu'à te voir. C'est-à-dire que je le portais. Qui vous a dit qu'il fallait un moment lui dire au revoir, tout simplement? Sa fiancée. Parce que la belle histoire que je peux sortir de ce malheur, c'est que... donc, quand Jean-Claude est mort, moi, j'ai dit que j'avais tué mon frère, que j'avais de la pourriture et que je le tuais. À cause de cette moelle qui empoisonne. Ouais. J'étais censée lui donner la vie et puis au final il meurt. Donc aujourd'hui je dis, grâce à moi il a pu vivre 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il a pu rencontrer le grand amour. Ah bon, c'est pendant cette période qu'il a rencontré cette fiancée? Il a rencontré sa fiancée dans le service, c'était une infirmière. Oh, belle histoire. C'était pas son infirmière attitrée, elle l'a été après, mais c'était l'infirmière du service. Quand il était greffé, il la voyait, mais il se passait rien. Et c'est quand il revenait pour les soins, il a dit... Dis donc, toi. Et donc, j'étais aux premières loges. Et donc, j'ai été dans la complicité de cette histoire de séduction. Oui. Et là, ils ont vécu une très belle histoire d'amour. Une très, très belle histoire d'amour. Ouais, c'est super. Une merveilleuse histoire d'amour. Et non, mais quand cette jeune femme, cette infirmière, donc, vous a dit qu'il fallait lui dire au revoir, vous avez compris que c'était la fin pour votre... Non, parce que j'étais là, donc tout le monde savait qu'il allait mourir, sauf moi, parce que moi, je refusais. Et Sophie me dit, il faut que tu lui dises au revoir. Alors je dis, non, écoute, il n'y a pas de problème, je suis là jusqu'à 6h du mat, il était 11h à peu près. Elle me dit, non, il faut lui dire au revoir. Mais je dis, non, écoute, Sophie, je te dis que, non, Véro, au revoir. Et là, je lui dis, non. Là, j'ai compris. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, c'est de ma faute, tu vas être malheureuse, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai tué. Elle m'a dit non. Au contraire, elle me dit, grâce à toi, j'ai vécu en 5 mois ce qu'aucune femme peut vivre dans toute une vie. Que du bonheur. Telle intensité, quoi. Une force terrible. Vous sentez coupable encore aujourd'hui de cet acte de générosité qui est malheureusement a mal évolué, mais qui était un acte de pure générosité d'une sœur pour son frère. Oui, je sais que ce que j'ai fait, c'est beau. Mais si vous voulez, comme il est mort, je me sens coupable. Et aujourd'hui, j'apprends à vivre avec, puisque depuis sa mort, je suis suivie par un psychologue. Et donc, aujourd'hui, je dis qu'il a vécu 9 mois. Et son sursis, c'était ça, quoi. C'était l'amour. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et la découverte, de sa sœur. J'y avais même pas pensé. Vous n'y avez même pas pensé? C'est le cas pourtant. J'y avais même pas pensé. Maxime et Rémi, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous êtes dit quand vous étiez jeune que vous vous aimiez mutuellement? Non, on n'est pas vraiment communicatif pour ce genre de choses. On se les montrait autrement, je pense. On avait fait les 400 coups ensemble. Donc on voyait bien que quand il fallait être ensemble d'une certaine façon, ça marchait bien. Mais dit comme ça, non, pas souvent. Rémi, non? Non. Pas souvent, ça veut dire jamais? Non, jamais. Je pense jamais, oui. Ouais. Non, quand il fallait serrer les coudes, quand l'un avait des ennuis avec... que ce soit des ennuis de bagarre ou des ennuis quoi que ce soit, l'autre était là, il n'y avait pas de problème. Mais... Ça vous inspirait quoi, l'histoire de Véronique, qui a dû se retrouver dans une situation absolument extrême avec son frère pour pouvoir sentir à quel point elle l'aimait et lui sentir qu'il l'aimait? On espère ne pas en arriver là, quoi. Enfin, un petit peu, c'est ce qui nous est arrivé, quoi. En fait, dans quelles circonstances ça s'est passé, cette histoire? Dans quelles circonstances votre frère Rémi est sorti avec votre petite amie? Eh bien, d'après ce que je me souviens, puisque je ne me souviens pas de tout... Mais vous avez rayé des choses de votre mémoire, ça? Oui, il y a des choses dont je ne me souviens pas, beaucoup de choses, d'ailleurs. Que vous avez occultées, quoi. Oui, et même à force d'occulter ces événements-là, je pense que j'ai un petit peu perdu la mémoire sur beaucoup de choses après, et encore aujourd'hui. Mais de ce que je me souviens, c'était un petit peu la fin de ma relation avec cette jeune fille. Au bout de 5 ans, on s'est dit, bon, on va en vacances et puis on verra. Et puis, on a vu. ça s'est dégradé avant et pendant. Et puis, j'ai compris que ça se terminait quand j'ai vu que
cette jeune fille et mon frère passaient beaucoup plus de temps ensemble que nous tous en famille avec elle, par exemple, ou moi et elle. Vous sentiez les choses arriver, ou est-ce que vous avez été un peu mis devant le fait accompli ? Non, j'avais pas imaginé que ça puisse se passer comme ça, sinon on serait pas partis en vacances ensemble. Je peux dire que moi non plus, j'ai pas vu les choses arriver. Moi, pendant les vacances, si je me suis rapproché d'elle, c'était parce que je la voyais toute seule dans son coin. Nous, on était en famille, elle était venue en accompagnant mon frère. Donc, comme elle s'est embrouillée avec mon frère, elle était toute seule dans son coin. Et vous avez été la défendre, elle, plutôt que votre frère ? C'était... Je dis pas ça pour vous culpabiliser. Non, non, mais c'est pas que je la défendais. C'est que je me disais, bon, ben, on va pas la laisser gâcher ses vacances, quoi. Autant qu'il y ait quelqu'un qui reste un petit peu avec elle. C'était mais pas elle vous gentil, plaisait ? Bah, très franchement, elle était charmante, mais c'était pas une fille pour moi, à mes yeux. J'avais 17 ans, elle en avait 21. À cet âge-là, ça fait quand même un sacré écart. Non, mais ça peut faire rêver aussi. Bah, c'est sûr que ça fait rêver, mais bon, moi, c'était un petit peu comme une sœur pour moi. J'avais vraiment pas de vue sur elle. Ça, jusqu'au moment où vous l'avez embrassée, pour vous, c'était comme une sœur ? Non, c'est pas ça, en fait, qui s'est passé. Non. C'est pas ça, c'est que... Ensuite, elle est partie de l'endroit où elle était en vacances avec nous. Elle a amené un petit peu sa vie à côté. Elle est sortie avec un autre mec et compagnie, quoi. Elle a eu un autre petit flirt. Vous saviez, Maxime, ça ? Non, je savais pas. Et en fait, ça s'est passé en fin septembre. Donc en fait, je l'ai piqué à un autre mec. Donc... Pas celui-là, donc ? Non, pas celui-là, un autre. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc à mes yeux, c'était plus... Je la voyais plus comme une sœur du tout. Je la voyais comme une fille qui sortait avec un autre mec. Ouais. Une amie qui sortait avec un autre mec. Et l'autre mec, là, vous vous en foutiez de celui-là, en tout cas ? Bah ouais, c'était pas mon frère. Alors votre frère, justement, vis-à-vis de votre frère, ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Vous aviez encore des sentiments pour elle, Maxime ? Oui, bah forcément, après cette histoire qui était... c'était vraiment une symbiose. Hein. Pendant 5 ans, on habitait vraiment à côté. C'était entre quel âge et quel âge ? À peu près, quoi. De 16 à 21, 16 à 21 un truc comme ça. Vis-à-vis de votre frère, quand vous vous sentiez comment à ce moment-là, Rémi ? Vous aviez 17 ans, vous. Hein. Ouais, voilà, ouais. Mais je comprenais pas bien, quoi. Je comprenais pas bien, parce que bon, je me disais, bon, avec lui, c'était fini. Il n'y avait plus rien, il s'était fâché maintes et maintes fois, quoi. Il fallait que ça se termine. Vous n'avez pas l'impression de mal faire ou de faire mal à votre frère ? Non, puisque sortait déjà avec un autre type. Donc je me suis dit, voilà, quoi. Le mal avait... C'était récent, quoi. Hein, c'était tout frais, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, vous étiez jeune. Deux petits mois, voilà. Puis bon, bah, quand on est jeune, le temps, ça... C'est pas pareil, quoi. Hein. Jusqu'à cet événement qui vous a fait beaucoup de mal, Maxime, vous vous entendiez comment, tous les deux ? C'était dans l'action, toujours... en train de s'occuper, en train de faire des choses, les 400 coups, tout le temps. On s'accrochait de temps en temps aussi. Oui, ça arrive, ça. Et selon vous, quand vous êtes aperçu que votre frère sortait avec votre ex-petite amie, qui vous trahissait le plus, elle ou lui ? Elle et lui, c'était un petit peu la même trahison, c'était pareil. Pour moi, c'était un manque de respect de ces deux personnes, c'était égal. Comment vous avez réagi ? Très mal. Sur le moment ? C'était un cauchemar pour moi. J'étais plus moi-même, je vivais un truc impossible. Chaque minute qui passait, je voulais me pincer pour me dire non, c'est pas possible. Je savais bien que ça allait se terminer. En plus, bon, je l'avais pressenti, c'était assez évident pour tout le monde. Mais de cette façon-là... Et avec votre frère ? Ouais, de cette façon-là, c'était pas... J'avais même pas imaginé que ça puisse être possible. Il y a eu les fins des vacances, vous étiez encore un peu en vacances ensemble pendant cette période-là. Vous étiez déjà avec cette jeune femme. Comment, dans quelle atmosphère s'est déroulée la fin des vacances ? Non, moi je suis pas sorti avec elle pendant les vacances. Ah bon, c'était après ? Ah oui, c'était après, c'était fin septembre. Moi longtemps. Je l'ai cru, en tout cas. Ah, vous l'avez cru, vous ? Voilà. Ah, moi, ses yeux, c'était ce qu'il voyait. Enfin, je savais pas vraiment, mais vous ne l'aviez pas embrassé pendant les vacances ? Non, justement, j'avais... Ah, je jure, justement. Sur la tête de votre frère ? Ah oui, même sur la tête de... Sur ma tête à moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi je lui avais mis justement les idées au clair à cette fille. Je l'avais attrapée entre quatre yeux. Je lui avais dit, écoute, voilà comment je te vois. Moi, t'es sorti avec mon frère pendant 5 ans. Jusqu'à présent, je t'ai toujours vu comme une grande sœur. T'as toujours été chez nous. Et pas question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, quoi. Hein. Je te trouve trop âgé pour moi. Voilà ce que je lui ai dit, quoi, en gros. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu entre quatre yeux ? Bah que c'était son même point de vue, machin. Mais avec du recul, j'y crois pas. Comment ça a dérapé en septembre, alors ? Bah, elle m'invitait chez elle souvent. Et elle me préparait tout. J'arrivais chez elle, j'étais un petit roi, un petit pacha, quoi. J'avais rien à faire.
J'avais tout pour moi, quoi. Donc, puis je l'ai vu envoyer bouler son mec pour moi. Donc, quand on a 17 ans, qu'on voit une fille de 21 ans faire ça pour soi, bon, ben. Voilà, qu'on pense pas trop à ce qu'il y a autour. Hein, on c'est pas dit, trop à Maxime, là. Ben non, je pensais pas du tout à lui à ce moment-là, non. Non. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, après être rentré de vacances vis-à-vis de votre frère ? Bah, de la haine pure et dure. Ça a été... Moi, je vivais toujours mon cauchemar, ça ne faisait que commencer, je le savais. Comment elle s'exprimait, cette haine ? Moi, j'étais une pile électrique qui tournait à fond toute la journée. Je dormais plus, je mangeais plus. Je pensais plus qu'à ça toute la journée. S'il m'arrivait de le croiser ou de la croiser ou de les croiser, il y avait un clash forcément, c'était obligatoire. Ça criait ? Pire, c'était... Ça tapait ? Ah oui, c'était extrême. Ouais, moi, je me mettais dans des états... À quel point, c'est-à-dire ? De toute façon, à ce niveau-là, quand on vit ça, à ce moment-là, hein, avec cet âge-là, bon, dans le contexte, pour moi, il n'y a plus rien d'autre qui comptait, quoi. Donc, il pouvait bien arriver ce qui arriverait, ça n'avait plus aucune importance, quoi. Ça cognait sévèrement ? Oui, on s'est battu. C'est arrivé. Tant même quand on était plus jeune aussi, c'est arrivé. Hein. Mais là, à ce moment-là, c'était grand. C'était pas la même façon de faire qu'avant. Des petits accros, quand on est jeune, on se tape dessus. Bon, au fond, on n'est pas vraiment emporté dans ce qu'on fait. Mais moi, j'étais quelqu'un d'autre. Là. Je me voyais agir, j'étais comme dans un mauvais film. Votre frère était votre ennemi pour vous, à ce moment-là ? Qu'est-ce qui n'était pas ennemi ? De toute façon, tout m'était hostile à ce moment-là. Il y avait aussi tout un contexte négatif. Ouais, la colère de votre frère, elle vous paraissait explicable, justifiée ? Non, ce que j'allais dire, injustifiée. Je ne comprenais pas du tout. Parce que, bon, étant jeune, on a tous eu des histoires comme ça. On a vu notre copine partir avec un copain. Copain, nos meilleurs amis. Donc, on est fâché un petit peu. Puis après, voilà, quoi, ça s'estompe. Mais... Et surtout là, bon ben voilà quoi, c'était pas direct quoi. Pour moi, j'avais pas l'impression de lui avoir fait du mal à lui directement. Je me suis dit, ça y est, voilà, le grand frère qui roule toujours les mécaniques face à moi, vu que j'étais le petit frère depuis toujours justement, sauf à cette période-là où on commençait à être égalité, je me suis dit, ça y est, il commence à perdre sa fierté, à plus pouvoir assumer son rôle, donc c'est un petit peu ce que je me suis dit quoi. Je me suis ça vous dit, a plaisir, presque. Bah, comme j'ai dit dans le reportage, je me suis senti un petit peu plus haut, c'est sûr. À un moment, je me suis senti un petit peu plus haut. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé, la rivalité. Vous lui avez piqué sa fiancée, quoi. Indirectement, excusez-moi, ça vous fait mal quand je dis ça à Bah oui, je suis accusé d'une chose que j'estime ne pas avoir faite. D'accord. Ouais. Et on va regarder ce reportage ensemble, on en reparlera ensuite après, parce qu'aujourd'hui, vous êtes presque en train de vous rapprocher, quoi, de renouer. Oui. Vous regardez jamais, hein. Si, on peut, c'est possible. Ça arrive. Si. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus en même temps. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai que... d'être côte à côte ce soir ? Oh, c'est sympa. C'est sympa. C'est bien de se dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Quoi. Ouais, voilà. Puis on repart sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qui redémarre alors. Ouais. Voilà. Ouais. Donc vous avez renoué en fait, le fil du dialogue il y a peu de temps, il y a 15 mois maintenant, un an et trois mois d'ici, après une rupture de 6 ans. Donc vous voyez rarement car vous habitez presque à 800 km l'un de l'autre. Quand vous vous retrouvez, c'est pour faire du surf ensemble. Vous avez évoqué jusqu'à présent vous avez refusé d'évoquer ce sujet qui vous a fait tant de mal en vous rencontrant séparément. Corinne Biès et Olivier Martinet ont découvert que depuis tout petit, en fait, Rémy se sentait vraiment dans une rivalité vis-à-vis de vous qui vous présentiez un petit peu, c'est comme ça qu'il le ressentait en tout cas, comme son père plus que comme son grand frère. Et cette rivalité, vous avez finalement accepté d'en parler ensemble avec nous pour la première fois. On regarde ce reportage. Les bons vieux gants, j'aime pas les gants neufs. C'est vrai, je préfère avoir des gants qui ont vécu, des vieux gants. Ils ont été bien tassés, ils sont bien... sans qu'il y ait du travail avec. Si Rémy s'est mis à la boxe à l'adolescence, c'est parce qu'il se sentait en rivalité avec son frère Maxime, de 4 ans son aîné. Faut dire qu'il m'entraînait quand même pas mal dans le jeu. Comme il avait le dessus comme ça, bah, ça devait lui plaire. Ce que je voulais, c'était plus lui montrer qu'il fallait qu'il arrête ce jeu avec moi. Et que ça marchait plus. Et puis, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment besoin de mes poids pour lui faire vraiment beaucoup de mal en suivant. C'est-à-dire ?
Bah, disons, ça s'est réglé sentimentalement, comme on peut dire, quoi. J'étais avec une jeune fille depuis 5 ans. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis, bah, comme toutes les histoires d'amour, bah, ça se termine souvent mal. Moi, j'ai pas eu de chance. Je l'ai emmenée en vacances avec la famille. Et puis, elle s'est découvert des points communs avec mon frère. Il m'est arrivé de les croiser ensemble, de plus en plus. Et donc là, moi, j'ai viré pas bien du tout, quoi. Forcément. Forcément. C'était la colère, c'était l'incompréhension, c'était... on se moquait de moi. Ça avait été tellement bien pendant 5 ans que c'était pas possible, quoi, que ça se finisse comme ça. Ça pouvait se finir, oui, et ça aurait été déjà assez dur. Mais se finir comme ça, c'était un... Ça a été un cauchemar, quoi. Le choc de cette double trahison a été si violent que Maxime a aujourd'hui des troubles de la mémoire. Il a occulté cette histoire d'amour dont il a enseveli tous les souvenirs. J'ai des souvenirs de tout ça. C'est là-haut. C'est ce qu'il n'y a pas dans ma tête. C'est ce que j'ai pas envie de voir traîner dans mon cerveau. D'ailleurs, je l'ouvre jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? C'est 5 ans de... presque 7 ans de malheur. Bah, dedans, il y a des objets, des cadeaux, des... Beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Et des photos. C'est pas les oubliettes, mais presque. Je l'ouvrirai peut-être plus tard. Quand je pourrais l'ouvrir sans flancher. Je pense que j'aurais du mal à retrouver quelque chose qui soit aussi fort que ce que j'ai vécu. Je sais même pas si j'ai envie de prendre le risque. Je me disais, bah, c'est bien fait pour lui, en gros, quoi. Pendant un moment, je me suis dit ça. Et puis avec du recul, quand j'ai su vraiment le mal que ça lui avait fait, bon, bah, c'est sûr que on a quand même pas mal de regrets, quoi. Hein. On se dit c'est dommage, quoi. C'est assez bête d'en arriver là pour ça, quoi. Les deux frères viennent de se réconcilier, mais pendant 6 ans, ils ont refusé de se voir et de se parler. C'est lui qui a fait le premier pas, s'il ne l'avait pas fait. Bah, je sais pas si je l'aurais fait, parce que de mon côté, j'avais peur qu'il pense toujours comme avant. C'est lui qui a fait le premier pas, mais grâce à ça, il a pu montrer que ça n'était pas passé et que cette histoire, c'était un petit peu... c'était du passé, quoi. Hein. Bon, même si maintenant, il a encore ça remonte encore un petit peu, quoi. Même si ça se voit, quoi, qu'il y pense une fois de temps en temps. Je le vois des fois dans son regard que... Quand je l'ai vu l'année dernière, bon, ben, voilà, quoi. Il y a toujours un petit peu de... Peut-être pas du mépris, mais bon... Leur passion commune pour le surf a aidé les frères à retisser des liens. Maxime fabrique aujourd'hui une planche de surf qu'il a l'intention d'offrir à son frère Rémi. J'ai décidé que ça suffisait, c'était bien assez long comme ça. Je voulais pas aller jusqu'aux 7 ans, les fameux 7 ans des contes de fées. Donc 6 ans, c'était bien. Comment ça s'est passé? Peu de dialogue, on s'est vu. On s'est pas trop parlé. C'était peut-être bien comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de Rémi aujourd'hui? Qu'on puisse retrouver les mêmes délires qu'avant. On n'a jamais été vraiment très communicatifs, mais on était d'un coup d'œil, comme ça, on comprenait quand il y avait quelque chose de marrant à faire, quand il y avait une activité sympa, on était partant tout de suite sans discuter pendant des heures. C'était spontané. Ça, cette spontanéité, ouais, ça serait... mais c'est déjà en bonne voie, je pense.
La réconciliation est en bonne voie, mais il reste des progrès à faire. Lorsqu'ils se retrouvent, les effusions ne sont pas encore très spontanées. Ça va ? Viens et toi. Tranquille. Ça va, ça va, hein ? Ouais, c'est autre chose. Hein. Et ouais, ouais, ouais. J'aurais bien resté 15 jours. Ah, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Il hein. y a déjà les planches et tout. Ouais, 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 en exposition. Faut qu'on prenne mon sac. T'as ramené les planches ? Et puis, bah ouais, les petites planches. Ouais, aussi. On va voir ça. Alors ça y est, c'est ça ? Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, elles ont eu un peu mal. Mais... Ah si, c'est joli, hein ? Ouais, finition... La petite signature urgence, et tout. En urgence. Oh. Hier soir et tout, vite fait. Bon, elles ont pas été abîmées au voyage. Oh, la hauteur du truc. Oh, ah, il y a des tubes. Hein. Mais non. Eh, franchement, on a fait pire. Hein. Je comprends pas. Là, c'est parce que t'arrives de Paris, t'as vu les vagues de péniche, donc voilà, t'es en panique. Mais on a fait pire, très franchement. Hein. Sûrement, ouais. Ben oui, mais arrête, carrément. Y a rien là. Y'a rien. T'as qu'à voir aussi comment c'est froid. Mais de chez froid. Depuis leur rapprochement, Rémi et Maxime ont soigneusement évité de parler de cette fille pour laquelle ils se sont déchirés. Pour la première fois, ils osent enfin aborder ce sujet sensible. Excuse-moi, mais si tu t'étais plus occupé d'elle, emmenée au restaurant, sortie avec elle le soir et compagnie, eh ben... Non seulement elle n'aurait pas eu le temps de traîner avec ouais, moi au mois de juillet. À ce moment-là où je ne l'ai pas fait, je sentais déjà qu'il ne fallait pas que je le fasse. Ça ne servait plus à rien. C'était déjà. Donc tu tenais plus à elle. C'était déjà fini. Tu mais tenais plus à elle. Elle, elle tenait plus à moi avant moi, t'inquiète pas. Bien avant. Bien, bien avant. Et ben alors. Bien avant que tu sois au courant de quoi que ce soit. Et donc c'était pas de ma faute. Donc je pense qu'il y a, Donc c'est pas moi qui ai déclenché la rupture. Ah non, déclencher la rupture, non. Bon, bah non, déjà, non. Au moins, ça, que ce soit clair, parce que c'était l'impression non, que tu me donnais, sûr, quoi, hein, que qu'elle avait rompu à cause de moi. Non, quoi, non, 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 pas du tout. Non, non, ça n'a jamais été mon avis, non, non. C'est un peu toi qui m'as construit, c'est un peu toi qui m'as fait, puisque tu t'es pris pour mon père, et ben, c'est toi qui récolte, hein. Je me suis dit, voilà, quoi, dans le passé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, bah, voilà, quoi, aujourd'hui, bah, il a ça, voilà, c'est tout, hein. Je pensais pas que tu voyais les choses comme ça. Je sais que j'aime bien... Avoir un contrôle sur ce qui m'entoure, mais à ce point-là, je sais pas, je pense tu pas. Tu vois, c'est un petit peu, ça fait un petit peu effet boomerang, tu vois, c'est... Toi, t'as pas vu le mal que tu me faisais, moi, j'ai pas vu le mal que je te faisais, tu vois. C'est un petit peu pareil. Sur la plage, là, si vous craquez tous les deux sur la même fille ? Alors, on se mettra d'accord. On en parle avant. Qu'est-ce que t'en penses, Axel ? Qu'est-ce que tu penses, Axel, de la relation entre ces deux frères ? Bah, que moi, ça pourra jamais arriver avec Léo. Pourquoi ça peut pas y arriver avec Léo ? À cause de sa trisomie ou parce que t'es trop proche de lui ? Un peu des deux. Il s'intéresse aux filles, Léo ? Il a une petite copine. Il a une petite copine ? Il a une chérie, oui. Et toi ? Non. Non. On voit que ça vous touche encore, Maxime, quand vous prenez cette boîte à souvenirs et que vous n'ouvrez pas. Vous ne voulez pas l'ouvrir, vous avez les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui reste encore assez frais, assez sensible ouais, pour vous. Oui, ouais, c'est bien sûr. C'est une histoire, comme je dis, qui a été très forte. Et moi, je suis quelqu'un qui vit les choses à fond. J'aime bien les choses un petit peu extrêmes. Et, donc, c'est sûr que ça dure dans le temps. En plus, ces 5 ans, pour moi, ils n'existent pas. Donc, vous n'en avez aucun souvenir ou... Bah, je pourrais pas dire ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières années, à part quel était mon boulot où j'habitais, mais tous les détails, je les ai zappés. Quoi. Il y a vraiment un problème de mémoire suite à ça, c'est sûr. Pas de vie sentimentale, pas de mémoire sentimentale. J'ai croisé des gens, mais. Et aujourd'hui ? C'est encore difficile. C'est arrivé, mais avec peu d'implications. Qu'est-ce que vous attendez de la part de votre frère ? Est-ce que vous attendez encore quelque chose aujourd'hui que vous en reparliez ? Des excuses ? Non. Vous les avez attendues, les excuses, pendant... Je les ai attendues, mais au vu de ce que j'ignorais, je pense que maintenant, le simple fait que l'histoire soit terminée, c'est suffisant. Quoi. Qu'est-ce que vous ignoriez ? Je pensais qu'elle était vraiment partie de 2 mois à lui, et c'est pas le cas. Je pensais qu'il avait mis aucune barrière à tout ça, et c'est pas le cas. Bon, il y a des circonstances atténuantes. Le tribunal sera clément ? Voilà. Ouais. Vous êtes rendu compte que votre frère souffrait à ce point ? Non, non, non,
parce que, bon, je sais pas, ça me paraissait aberrant, quoi. Pourquoi ? Puisque, à mes yeux, j'avais rien fait de mal, donc... Donc lui présenter des excuses, pour vous, c'était quelque chose de tout à fait étranger, quoi, c'est... C'est pas que je voulais pas, mais c'est qu'il fallait que je comprenne pourquoi, c'est tout. Comment expliquer que deux frères ne veulent pas se parler plus que ça ? Et qu'on reste dans le silence, c'est l'absence qui s'installe entre les deux ? C'est que ça a toujours été un petit peu comme ça, quoi. C'est jamais vraiment... on n'est pas dans le genre à exprimer nos sentiments, quoi, entre nous, quoi. Pourtant, vous en avez partagé des choses, hein ? Ouais, ouais, c'est sûr, mais c'est justement comme ça qu'on exprime ce qu'on pense. C'est dans l'action. Ouais. Voilà, c'est en partageant des choses, en se serrant les coudes. Voilà. Bah, souvent, les grands sentimentaux qui gardent tout pour eux, ça fait mal ensuite, hein. Voilà, bah, ça a été c'est le cas, ça. Oui, ça a été le cas. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, Axel Kahn. Oui, en fait, vous avez posé la question à Axel. Quand vous l'appelez d'ailleurs Axel, je crois que vous vous adressez à moi. Toujours une hésitation. Vous n'êtes pas unique, vous voilà. Savez ça, vous connaissez le secret de la génétique. J'en crête d'ailleurs. on va parler du clonage, mais enfin, la grande différence qu'il y a entre Axel, Léo d'une part et Rémi, Maxime, c'est qu'effectivement, entre Léo et Axel, il n'y a pas de rivalité. Et pour des raisons tout à fait évidentes, cet élément qui est fondamental dans la fraternité, la rivalité n'existe pas. Et de la part d'Axel, c'est remplacé totalement par la responsabilité. Il est responsable de Léo. Et il s'apporte considérablement de ce fait-là. Et en réalité, ça ne pourrait pas lui arriver. Ce qui est arrivé aux deux grands, là, à Maxime et à Rémi, ne pourrait pas lui arriver. Car cet élément, lui, n'est pas en rivalité. Et Léo ne ressent pas son grand frère comme étant un rival qui l'emporte. Donc, une situation tout à fait particulière. Mais cette rivalité dont vous parlez, vous dites que vous dites nécessaire entre deux frères, vous parlez d'une saine émulation ou vous parlez de quelque chose d'aussi... d'aussi douloureux que ce qu'ont vécu ces deux frères-là ? Alors, je crois qu'il y a vraiment une gamme. Ce peut être la saine émulation, ça peut être ce qui nous aide à nous dépasser en quelque sorte. Voilà, mon frère, ma sœur, elle est comme cela, eh bien, je vais m'affirmer par rapport, je vais me différencier de la sœur ou bien du frère. Et puis parfois, vous savez, l'enfer c'est les autres, dit-on. Et l'autre, ça commence à être le frère ou la sœur. Et il arrive effectivement que l'enfer commence par le frère et la sœur. Et il y a quasiment un continuum. Finalement, vous savez pourquoi vous êtes sorti avec cette jeune femme, est-ce que c'est parce que vous étiez vraiment attiré par elle ou est-ce que c'était un petit peu aussi pour embêter votre frère? On parle de rivalité là. Peut-être qu'inconsciemment, oui. Peut-être qu'inconsciemment, il devait y avoir un petit peu de ça inconsciemment, mais. Vous voulez lui montrer que vous étiez entré dans le clan des hommes, vous aussi? Voilà, peut-être un petit peu, peut-être. Quoi. Et puis bon, bah, c'est sûr que quand on a cet âge-là, ça fait bien de sortir avec une femme plus âgée. Ça, c'est sûr qu'il y a de ça aussi. Et puis on se parlait dans l'action. On se parlait dans l'action, donc. Il fallait qu'il agisse pour me parler, d'une certaine façon, je pense aussi. C'est-à-dire dans la bagarre, dans le surf. Mais dans... il ne pouvait pas me dire, bon, ça y est, moi aussi, je suis un grand garçon. Il fallait qu'il vous le prouve, physiquement. Il fallait le montrer en faisant des choses. Donc ça a été ça, bon, voilà. Corinne, ça vous inspire quoi, cette histoire entre deux frères, vous qui allez nous parler de votre sœur ? Moi, je n'ai pas trop, envie qu'on en arrive jusque-là, quoi. Enfin, à plus parler et... Enfin, non, j'ai pas envie qu'on en arrive à couper les ponts, quoi. Mais comment vous communiquez toutes les deux, alors ? On se dispute. Vous vous battez aussi ? Plus maintenant, plus maintenant. Vous êtes battu longtemps ? Ouais. Fort ? Ouais. Très fort ? Oui. À quel point ? Avoir des traces de morsures, à se faire. Mais quand on se battait, enfin, moi, en tout cas, elle, je sais pas, mais moi, en tout cas, c'était plus, il n'y avait plus de question de sœur ou pas, quoi. C'était, j'avais besoin d'évacuer quelque chose et c'était souvent elle que je prenais pour cible. Mais, voilà. Elle n'avait pas forcément fait quelque chose, quoi. J'avais de la violence à évacuer, donc. C'était ma cible, quoi. Vous avez déjà disputé un garçon comme ses deux frères et une fille ? Non, mais d'ailleurs, c'est. Les quelques fois où ça a été sérieux avec certains garçons, j'ai jamais voulu lui présenter parce que j'ai toujours eu trop peur que. Qui se retourne sur ma sœur, quoi, parce que elle a tout de mieux, quoi, donc... Elle a tout de mieux ? Bah oui. C'est-à-dire ? Je sais pas, elle est belle, elle est loin d'être bête, elle est forte, enfin, tout ce qu'elle entreprend, enfin... Bon, maintenant, ça change un petit peu, parce qu'elle est dans un passage, dans l'adolescence, c'est pas évident. Ça a l'air de vous réjouir ? Non, pas tant que ça, quoi, non. Donc elle est, au tout début, je m'en fichais, mais maintenant, ça commence à me faire quelque chose. Donc elle est intelligente, vous êtes bête ? Non, c'est pas ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours quelque chose en avance sur moi, quoi. Elle a toujours... elle a toujours quelque chose de plus que moi, quoi. Donc ça met en exergue la rivalité qu'il y a entre vous ? Ah ouais, la jalousie aussi ? Mais il n'y a que moi qui suis jalouse. Enfin, elle s'en fiche, elle. Oui.
Enfin, c'est moi qui lui fais vivre un enfer, c'est pas elle. Mais un enfer à quel point? On a du mal à se rendre compte. Bah, je lui parle pas. Le matin, quand je la croise, je lui dis pas bonjour. Vous êtes toutes les deux à la maison, hein, toutes les deux déscolarisées? Non, elle est scolarisée encore, ah bon, quand elle a envie. Quoi. Quand elle a envie. Et ouais, non, on se dit pas bonjour. On mange jamais ensemble. Ben, moi, en général, je mange pas là, je mange pas en famille parce que je supporte pas de manger avec elle. Je sais que dès qu'on va se regarder ou que on va vraiment faire attention qu'on est l'une à côté de l'autre, ça va partir en... Mais sur quoi ça va partir, ce côté-là? Alors, sur n'importe quoi. Hein. Sur tu fais trop de bruit quand tu manges, je t'ai vu faire ci ou faire ça aujourd'hui, ça m'a pas plu. Donc, et ça dégénère, ça monte dans les tours? Ah, oui, bah, en principe, il y en a une des deux qui quitte la table. Quand elle était plus petite, vous lui faisiez quel genre de misère? Quand je faisais des bêtises, je lui disais que c'était elle. Mais c'était pas conscient. Hein. J'en prends conscience maintenant, quoi. Mais quand j'étais petite, toutes les bêtises que je faisais, bah, je voulais qu'elle prenne pour moi. Elle prenait pour vous? Oui. Ça vous faisait plaisir? Quand j'étais petite, oui. Tout ce que moi, j'aimais pas qu'on me fasse, je lui faisais. Par exemple, moi, j'avais peur des fantômes, des trucs comme ça, quand on était toute petite. Et je m'amusais tous les soirs à aller dans sa chambre et juste là où il y avait un filet de lumière, je mettais ma main comme ça et tous les soirs pendant, je sais pas, 2 ou 3 mois, je lui ai fait ça. Et elle faisait des cauchemars, elle avait plus à dormir, elle était fatiguée à l'école. Vous étiez contente? Ouais. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 8 ans ou 10 ans. Comment ça se fait que vous soyez énervée vis-à-vis d'elle, que vous étiez fâchée vis-à-vis d'elle si tôt? Parce que, bah, en fait, il y a 2 ans, j'ai réalisé que c'était peut-être vraiment inconscient à la base. Parce que quand je suis née, moi, j'ai eu des problèmes de santé jusqu'à l'âge de 2 ans, je crois. Et quand j'ai eu 2 ans et 2 mois, ma sœur est arrivée. Et je pense que j'ai dû ressentir déjà le fait que mes parents m'ont... Enfin, j'ai eu beaucoup mes parents avec moi, ouais, puisque j'avais des problèmes de santé. Et donc ensuite, ils se sont occupés d'elle et tout ça. Donc je pense que j'ai du mal à le vivre. Vous l'avez jamais aimée? Si, c'est ça qui est paradoxal. C'est que je l'adore, mais à un point, c'est inimaginable. Quoi. Ah bon? Ah oui, non, mais oui. En fait, tout ce que je lui dis, ça dépense toujours mes pensées. Enfin, quand je lui dis que des fois, quand on se dispute, je lui dis, mais je vais te frapper, je vais t'envoyer à l'hosto. Enfin, des fois, c'est... Cette semaine, c'est encore arrivé, quoi. Et vous l'avez frappé? Non, je l'ai pas frappé, mais je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vas finir à l'hosto, tu m'énerves, quoi. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que j'en pense pas un mot, quoi. Au contraire, j'ai envie qu'elle réussisse. Voilà, toute son adolescence, j'ai passé à lui dire qu'elle était nulle, que, ce que je lui disais, c'était, je lui disais, t'es une grosse merde. Tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, si je lui disais ça, c'est parce que moi, je me rendais compte que moi, je faisais rien, que je n'étais pas douée en quoi que ce soit, enfin, rien, quoi. Et que, pour me déculpabiliser un petit peu, je lui disais que c'était elle, quoi. C'était, voilà, quoi. Vous l'avez chargée, elle. Facile. Ah oui, et là, maintenant, je m'en veux, c'est... Maintenant, et pourtant, ça arrive encore, quoi. Vous vivez encore toutes les deux chez votre maman. Donc, on a imaginé, vous avez raconté les crasses que peuvent se faire deux petites filles. Mais elle ne sait rien, elle. Ah bon, c'est toujours la grande à la petite. Et maintenant, vous êtes deux grandes filles, qu'est-ce que vous lui faites aujourd'hui? J'ai un peu honte de raconter ça, mais je sais pas, il y a eu encore l'année dernière, je sais plus, on s'était disputé. Alors elle m'a vidé sous mon placard, parce que j'avais passé justement toute la journée à le ranger. Donc elle me l'a vidé. Et moi, je voulais trouver une idée pour que ça lui fasse encore plus de mal. Alors que moi, j'avais rangé toute la journée, et voilà, et donc ça me faisait du mal. Donc elle venait de s'acheter des chaussures super chères. Et la seule bonne idée que j'ai trouvée, c'est de prendre de l'huile et de vider la bouteille d'huile dans les chaussures. Que ma mère m'a obligée à repayer après. Mmh. Elle y pour rien, en fait. Vous lui avez dit que vous étiez jalouse d'elle? Je lui ai dit il y a 2 ans. Et comment a-t-elle réagi? Elle s'attendait pas, quoi. Elle a toujours cherché à savoir pourquoi je voulais lui bouffer la vie comme ça, mais elle savait pas du tout que... Enfin, elle se doutait pas que je pouvais être jalouse d'elle. Comment a-t-elle réagi? Elle m'a posé des questions pour savoir ce qui faisait que j'étais jalouse et tout. Donc j'ai expliqué que ça a commencé déjà quand on était... Sûrement inconsciemment quand on était petite. Ensuite, il y a eu, on faisait de la GRS toutes les deux. Et mon père, il est dans le sport, lui, il est à fond, mais vraiment. Donc, il la faisait travailler. Il s'occupait... Nous, on ne le voyait pas beaucoup parce qu'il travaillait beaucoup. Et en fait, le temps... Bon, il avait le temps libre, il est passé au bricoler et tout ça. Mais sinon, il la prenait avec lui pour la faire travailler parce qu'elle était vraiment super forte. Et donc, du coup, moi, ce temps-là, je ne le passais pas avec lui, quoi. Et mon autre sœur non plus. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'il l'aimait plus. Alors après, je suis partie dans un délire. Je croyais que j'ai été adoptée. Enfin, c'était vraiment... Vous êtes sentie rejetée de cette famille, quoi. Mais je me suis toujours sentie le vilain petit canard, oui. Oui, monsieur Kahn.
Oui, je crois que Corinne vient d'aborder un point qui n'avait pas encore été abordé, qui est fondamental dans les relations entre les sœurs, entre les frères. C'est l'idée qu'ils se font du préféré des parents, parce qu'il y a une autorité tutélaire qui est papa, maman, qui n'est pas vraiment un autre de même nature que le frère et la sœur. Et c'est par rapport aux parents au départ, quand ils sont les plus jeunes, que naturellement, ils veulent être considérés. Ce sont les parents qui leur donnent sens. Et là, ce que dit Corinne est tout à fait significatif. Ce qu'elle reprochait un peu, la première chose qu'elle a reproché là à sa sœur, c'est que elle lui prenait son père, en quelque sorte. Son père était avec sa sœur. Et c'est un élément de jalousie tout à fait extraordinaire. Et je suis persuadé que, à un niveau ou à un autre, on retrouverait cela dans beaucoup des éléments de rivalité, d'opposition entre les frères et les sœurs. Mais cette dureté là que vous exprimez, ça ne cache pas en fait une grande sensibilité, puis une grande détresse, quoi. Si, parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu que des problèmes depuis la naissance. J'ai l'impression que bon, j'ai pas non plus des problèmes extraordinaires, hein. Mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir que ça. L'exemple le plus flagrant, c'est j'ai fait une dépression, j'étais boulimique, enfin un coup boulimique, un coup anorexique, enfin voilà. Et elle, après, avec tout ce qu'on avait vécu après la séparation de nos parents, on aurait dit qu'elle avait rien. Et puis je la voyais manger. Elle prenait pas un gramme et tout, alors que moi je grossissais à vue d'œil. Et ça, mais je peux pas dire à quel point j'en ai voulu de ça, quoi. Plus ça. Ouais, à la fin, je cite pas tout parce que sinon on va finir. Elle vous semble beaucoup plus chanceuse que vous, en tout cas, sur Terre. Bah ouais, mais en ce moment, par exemple, elle va pas bien. Oui. Parce que là, elle a trop encaissé pendant des années. Et là, j'en peux plus de l'avoir comme ça. Ça vous rend triste. Là, j'en peux plus. Ouais, elle est pas bien. Pourquoi vous essayez pas d'entamer des pourparlers pour avoir une relation d'adulte vraiment... J'ai essayé de parler un peu avec elle ce week-end. Et elle, je sais pas, elle m'a dit arrête de faire ma vie. Donc, je suis en train de réaliser ce que je lui fais subir depuis 19 ans, quoi. Et que j'ai plus envie de ça et que j'ai envie qu'à la maison il y ait un bon climat, qu'elle n'ait pas envie de partir de la maison à cause de moi, parce que j'ai l'impression que là en ce moment elle va partir. Et moi je m'en doute que c'est à cause de moi, quoi, parce qu'elle n'a pas de réel besoin de partir, en fait. Et si elle part, elle va vous manquer ? J'ai pas envie qu'elle parte. Elle va vous manquer ? Oui, sûrement, oui. Oui, je pense. Vous arrivez à lui dire des choses simples, que vous l'aimez, que... On se l'écrit, aux anniversaires, c'est tout. On se l'écrit juste, mais on se le dit pas. On s'est même jamais fait la bise, on s'est... Non. Bah non, pas entre... Pas de câlin entre sœurs, du tout ? Jamais ? Non. Natacha, tu le dis à ton frère que tu l'aimes, pourtant c'est difficile. Bah oui, je lui dis. Ah oui. Maintenant, tu leur dis à tes frères et sœurs que tu les aimes ? Oui, je leur dis. C'est important de leur dire, tu crois ? Bah oui, parce que c'est nos frères et sœurs. Ouais. Qu'est-ce que ça ajoute de leur dire qu'on les aime vraiment ? Ça vous rapproche, tu crois ? Ouais. Je crois un peu. Comment expliquer quel genre de grand frère est ton grand frère numéro 2, en fait, hein ? C'est ton grand frère numéro 2, c'est pas l'aîné. Comment expliquer quel genre de garçon c'est, à ceux qui ne le connaissent pas ? C'est pas un garçon comme les autres, parce que il n'est pas scolarisé, il n'est pas comme les autres, il n'est pas gentil, il tape sur ses frères et sœurs, sur sa mère, voilà. Et quand on demande pourquoi, tu réponds quoi ? Je leur dis pas, je dis que ça ne les regarde pas ou... Mais parfois on peut avoir envie d'expliquer, quoi, à ses amis notamment, non ? Oui, mais je sais pas, moi... Tu restes assez secrète vis-à-vis de ça ? Oui, des fois. Qu'est-ce qu'il fait pour t'embêter, ce frère numéro 2 ? Il me traite de tous les noms. Il nous embête, il nous bouscule, il nous dit de gros mots, il nous insulte. Il nous crache, il nous tape dessus. Pour des raisons ou pour rien, parfois ? Pour des raisons, parce qu'on l'a embêté avant ou... C'est des bonnes raisons pour taper, ça ? Non. Non. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il te fiche la paix ? Je lui dis qu'il nous laisse, qu'il a embêté quelqu'un d'autre. Vous vous battez parfois ? Oui. Tu réponds ? Oui, je fais comme il fait, je tape, je crache dessus, je le traite. Tu le traites ? Je dis des gros mots. Pourquoi tu te sens obligé de faire la loi à la maison ? Parce que ma mère commence à en avoir assez, à chaque fois crier, pour rien, parce qu'elle n'écoute pas, et puis... En fait, quand elle crie ou quand
lui d'arrêter ou bah, quand il fait pareil qu'elle, ben ça sert à rien parce que bah, il la tape puis il fait pareil. Il fait rien en fait. Il n'écoute pas. C'est pire, les rapports entre les deux frères eux-mêmes, elle va intervenir quand la dispute est violente comme les deux sœurs, la petite jeune fille là. Tout à l'heure, quoi. C'est ça la relation frère-sœur, ouais, ouais. Les petites jeunes filles. Ouais. Et puis les deux frères, bon, ben, eux, pour une autre affaire, qui se sont disputés. Je ne sais pas, dans leur adolescence, ils ont été. S'ils s'entendaient très bien, ou est-ce qu'il a fallu cette histoire-là? Parce qu'il y a eu des coups avec Kevin, et l'aîné, donc, et puis son frère, mais trop violent. C'est du matin, comme disait la jeune fille, donc, jusqu'au soir. Ouais. Donc Marion va intervenir pour telle ou telle chose, et c'est elle qui va prendre. Et tout va dégénérer. Ça et parfois, il y a des moments de tendresse aussi, des câlins. Bah, un peu de douceur, entre toi et lui. Oui, mais c'est, c'est pas toujours. C'est pas souvent. C'est rare. Mmh. Regardez ce reportage. Alors, à cause de tout du tumulte qui crée dans la maison, ton frère va bientôt partir de la maison. Oui. Il va partir dans un centre fermé. Ça te fait quoi, ça? Il va me manquer un peu, puis ben... il va manquer, je vais m'ennuyer. Tu vas t'ennuyer sans lui, tu crois? Ouais, mais bon, aussi, des fois, je me dirais que je suis un peu mieux sans lui. Ben, parce que comme ça, on a un peu plus de calme. Ma mère, comme ça, elle est au calme, elle est plus obligée de crier. Mais tu parles toujours de ta maman, t'es toujours en train de défendre ta maman, toi? Bah oui. Sauf que t'es une petite fille pour défendre une grande dame comme non, ça. Non, parce que tu dévies un petit peu sur lui quand même, je te dis Marion, mais bon. Non, elle n'est pas toujours. Ah ben non, elle copie sur le frère quand même, donc c'est pour ça qu'il valait mieux faire la coupure maintenant. Bon, elle il a copie, déjà été en placement, tout ça. Tu copies comment? Bah quand elle dit qu'elle crache, tout ça, bon, elle me répond, elle n'avait pas cessé de faire. Voilà, elle t'embête, non? Non. Bon. Non, avec le frère. En attendant, donc tu essayes de, attendant ce départ de ton frère, tu essayes de le calmer constamment, de calmer le jeu, de raisonner ton frère en réparant les dégâts qu'il fait, parfois en rangeant sa chambre pour pas qu'il soit puni. Oui. Et hein, quelle sainte. Oui, parce que en tout cas, bizarre, il va partir. Tu es triste parce que tu l'aimes beaucoup, en même temps ça va ramener du calme, c'est compliqué. Ce sont des sentiments ambivalents. On regarde ce reportage de Jean-René Chaperon et de Carole Chaban qui ont donc tourné ce reportage dans ta famille. On y va. C'est Marie-Noël élève seule ses quatre enfants, deux fillettes de 8 et 10 ans et deux garçons déjà adolescents, dont l'un ne peut s'empêcher de semer la pagaille à la maison. Mais non, arrête là, oh! Ah ouais, t'as voulu voir ça? Eh ben, je vais débrancher tous tes fils de télé, tu vas voir, je vais faire la même chose. Ça fait longtemps que ça se passe comme ça? Bah oui, depuis qu'il est né, il arrête pas à faire des bêtises. Regarde-moi ça. Il embête tout le monde. Tu sais pourquoi il fait ça? Mais là, il aime bien ennuyer les gens, je crois, ou faire n'importe quoi. Bon, tu sors de cette pièce. Non. T'es pas au salon. Arrête aussi. Il arrête pas. Et bah pourquoi tu continues? Il va la garder aussi. Mais arrête, maintenant. Il dégage de la chambre. Allez, vite. Va ranger. Bon, allez, range-moi ça! Mais non! Allez, tu vas ramasser tout ça parce que tu vas faire comme la semaine dernière. Tout va partir à la poubelle. Maman, mais tu peux pas te charger, s'il te plaît? Attends, ouais. C'est gentil. Bon, mais fais-toi là! Attends, ouais, j'arrive. Ah, Kevin! Et ton gel douche parce que j'en ai plus. T'as pas de sous? Bah là, toi, tu vas être embêté par contre. Maman, c'est toi, t'es enfermé dans la chambre. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Bah, je range sa chambre. Je range sa chambre parce que, bah, si c'est lui qui va, s'il si va pas le faire, il va être puni. Bah, il va faire n'importe quoi, il va être puni. C'est la promenade, madame. Et t'as pas envie que ton frère soit puni? Non, j'ai pas vraiment envie qu'il soit puni parce que, bah, s'il reste ici, il va embêter ma mère. Il va lui taper dessus. Oh Marion, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais là? On va la chambre, sinon il va être puni, puis après il va s'embêter. Non, non, non. Regarde ce que j'ai trouvé là. De mon antenne, je te le file. Ça, ça va laver. Regarde, ça, c'est lui, ça, c'est dangereux. Bon, viens voir ici. T'as un sac.
avant de tout faire. Alors je suis pas d'accord, tu viens là. Non, 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 non. Toi tu sors. Attends sur le pull. C'est quoi toutes ces conneries là? Ici t'es pas tout seul. T'as deux sœurs derrière toi. Et des sœurs qui sont plus petites, d'accord? Alors maintenant tu vas voir ta chambre, c'est pas à ta sœur de le faire. Alors auparavant cette chambre était la chambre de mes filles. Puis ayant des difficultés avec qui devenaient de pire en pire, j'ai préféré les installer pour les protéger dans ma chambre. Étant toute seule, je pouvais m'installer à la salle à manger. Elles avaient cette pièce-là. On se réfugie, on est obligé de se réfugier dans notre chambre. Oui, dans notre pièce. Mais c'est quand même malheureux d'être arrivé à ce point-là. Il m'a cassé, bon, différents carreaux. Là, bah, c'est pire, hein, c'est des coups de pied, des coups de savate à chaque fois, de toute façon. Là, c'est des coups de poing, par exemple. Des fois, j'ai mal au ventre à cause de mon frère parce que, bah, il fait le bazar. Il embête tout le monde. Alors ma mère en a marre. Tout le monde crie. Alors, moi, je dis ça suffit, j'interviens. Et puis après, ben, ma mère, ça se calme un peu. Et puis ben, le soir, ça recommence. Le comportement de ce grand frère a conduit Marie-Noël à le placer dans un centre fermé. Aujourd'hui, elle annonce cette décision à ses filles. Ah, tu ne vas pas le voir déjà pendant 3 mois, ça va être sûr. Hein? Ben oui, Marion. 3 mois qu'il sera obligé d'être bloqué. C'est un centre où il va apprendre les lois, les règles à respecter. Il va pas dire ta gueule comme il dit à toi ou à moi des insultes et puis il va pas envoyer le couteau comme ça à table, la fourchette, tout ça. Ce qu'il fait à la maison, il ne le fera plus. Alors maintenant, à vous, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter? Ben moi, je vais m'ennuyer de lui. Il va me manquer. Tu t'ôtes. Tu essayes un peu d'oublier tout ça. Ça va être dur. Ben oui, je sais que ça va être dur. Et puis tu te dis que ton frère, bon, ben ça reste ton frère, et puis tu vas le revoir après. Tu te dis, c'est comme s'il était dans une école, carrément, dans le sud de la France, et puis c'est tout, Marion. T'as ta mère, t'as ta sœur. Vaut mieux faire ça tout de suite plutôt qu'il se retrouve en prison. T'aimerais avoir un frère en prison? Non. T'imagines? Ouais, putain, il fait fondeur, les... Dépêchez-vous de prendre. Bon, je bloque complètement, Marion, ou pas ce soir? Quand tu veux. Bien que Marion soit triste du futur départ de son frère, elle essaye de le convaincre que c'est une bonne solution pour lui. Puis, ben. Je te dis que tu vas manquer quand tu vas partir dans un centre. Puis, ben, je vais m'ennuyer sans toi. De toute façon, je partirai pas. Bah, si. C'est mieux, sinon tu vas rester ici à rien faire, dehors, à souffler tout le monde. C'est mieux d'être quelque part au lieu de faire n'importe quoi. Au moins t'apprendras et puis plus tard tu pourras faire un métier. C'est difficile de suivre les conseils de sa petite sœur? Ouais, un peu. Mais presque tous les soirs, je lui dis ce qu'il faut faire ou pas faire. Je lui dis que c'est pas bien de rester comme ça. Est-ce qu'il t'écoute? Ben oui, des fois. Mais quand je lui dis ça, on dirait qu'il écoute, mais il fait pas. Il fait, mais pas vraiment. Il écoute, mais le lendemain, bah, il fait aussi des bêtises. Mais bon. Pourquoi? Parce que je peux pas m'en empêcher. Bon, bah, je vais dire bonne nuit. Puis, bah, moi, je vais te laisser. Puis, je vais dire au revoir. Puis, réfléchis-y bien. Demain? Ouais, demain matin. Tu sais quoi ce que dit ta sœur? C'est rigolo que une petite sœur vous dise des choses comme ça. Ouais, qui fait la morale. Ouais. C'est un peu les... Les rôles de parents. Ouais. Alors, t'en penses quoi? Ça me fait un peu mal. Qu'est-ce qu'il a votre fils, madame? Qu'est-ce qu'il a? Oui, je sais pas, tout jeune, à partir de 4 ans, oui, qu'on a commencé à le faire voir à... Ouais, psychologue, tout ça, à l'école, niveau CE2, quoi. Après, c'est là que ça... Et que disent les médecins? Plus, bah, c'était des troubles de comportement, tout ça. Puis après, déscolarisé, oui, à partir du CE2, à peu près. Des centres, des instituts. Et puis après, refuser lui-même la scolarité. Puis après, bon, bah, il n'y avait plus de structure pour l'accueillir. Et puis... Il vous arrive de ne plus l'aimer, votre fils?
Il y arrivait des points où on ne pouvait plus, je ne supportais plus. Depuis 99 que ça dure cette affaire, comment qu'on a galéré. Moi, j'ai eu des moments où c'était d'enfer. Hein. Je veux juste dire que... Les deux frères. Moi quand j'étais gamin, bon, j'étais un petit peu comme le gamin qu'on a vu là, quoi. J'en venais souvent au point. Et c'est sûr, quand j'ai commencé à faire de la boxe, vous faites 2 heures d'entraînement, vous montez 1 heure sur le ring, vous ressortez de là, vous n'avez plus envie de vous battre. Il y en a que ça excite, hein. Il y en a que ça calme, il y en a que ça excite. C'est pas possible. Lui, il a fait du basket, c'est pareil, ça n'a pas tenu plus d'un mois, puisqu'après, il commence à taper sur tout le monde. Il a fait du foot. Je parle d'un sport de combat. Quand vous... Il fait de la boxe, s'il tape sur tout le monde, mais il aura le droit. Oui, bah oui. Bah, déjà, il y a de ça, ça le défoulera. Déjà, il aura le droit de taper à ce moment-là. Et après, il sortira de là. Et soit il sera épuisé, ou soit il sera lassé de se battre. De toute façon. Pour éventuellement lui taper dessus aussi. Bah voilà, mais c'est ce qu'on me dit, aussi. Que justement, dans les centres fermés, ce serait quelque chose. Ouais, il serait bien encadré, tout ça. Tu ressens quoi quand ton frère est vraiment énervé? Je suis un peu énervée aussi. Quand il est énervé. T'es triste, oui, en colère? Un peu. Bah, plutôt en colère, triste, par exemple, mais en colère. Ça t'inspire quoi, toi, Natacha? Cette histoire de frère, tu te rappelles le tien? Oui, un peu. Mais il est moins violent. Et il est plus jeune aussi, hein? Oui. Il a 13 ans, ça? On en parlera dans un instant. Je demande à Daniel Gaillet de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez, Daniel, sous les encouragements du 102, qui sont évidemment très présents. Bonsoir. Asseyez-vous, Jean-Pélin. Alors, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 10, Nanterre. Et alors, vous avez publié récemment un objet, qui s'intitule « Les relations fraternelles, approche psychologique et anthropologique des fratries ». Quelques réactions à ce que vit Marion, par exemple. La réaction, c'est qu'on voit très bien cet antagonisme entre, d'une part, la jalousie et la solidarité fraternelle. Jeu entre l'amour et la haine, les deux sont toujours présents. Même si c'est en apparence les relations positives qui l'emportent, la solidarité qui l'emporte, il y a toujours un peu de jalousie. À un moment ou à un autre, en tout cas probablement au début. Et bien sûr, ça va évoluer. Ça participe à la construction de chacun dans une fratrie. Ça participe à la construction de chacun. Qui on est par rapport à l'autre. De l'aîné, du cadet. Bon, pour les aînés, on sait bien qu'il y a une jalousie qui est quasiment automatique et inévitable, que les parents ne voient pas toujours. Les parents nient cette jalousie ou au-delà de ça, même cette rivalité naturelle qu'il y a entre frères et sœurs. Il y a une tendance très fréquente à l'occulter. Alors qu'elle peut apparaître évidente pour un regard étranger. Elle existe toujours, cette rivalité entre frères et sœurs? Alors, elle existe toujours, mais elle ne peut pas toujours... Enfin, l'enfant n'a peut-être pas toujours les moyens de l'exprimer. Il peut, ne pouvant l'exprimer ouvertement, craignant la répression des parents, il peut s'agresser lui-même ou régresser lui-même. On connaît l'exemple assez fréquent d'aînés qui redeviennent bébés, qui recommencent à devenir énurétiques à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, et qui marquent ainsi leur opposition. Ouais. Ou même certains enfants qui font montre d'une curieuse indifférence. Est-ce que les parents provoquent inconsciemment, parfois, maladroitement, des rivalités, exacerbent les rivalités qu'il y a entre frères et sœurs? Alors ça, je crois que c'est certain, parce que les parents sont en fait pris dans une sorte de situation impossible. La situation impossible, c'est qu'ils sont moralement, ils se sentent pour... l'immense majorité d'entre eux, obligés de ne montrer aucune préférence entre leurs enfants. Ils se refusent même à penser qu'il puisse y avoir des préférences. Certains l'expriment. Or, la réalité, certains l'expriment. Mais je pense que c'est une minorité, que c'est très rare. Mais à l'inverse, on ne peut pas ne pas avoir, à un moment ou à un autre, une préférence pour l'un ou l'autre enfant. Plus d'atomes crochus avec l'un ou avec l'autre. Il faut l'accepter? Alors, c'est ça le problème. Vous dites « il faut ». C'est une obligation morale. Oui. Et justement, c'est ce que... Mais est-ce qu'il faut lutter contre? Est-ce que vous conseillez de lutter contre? Ou est-ce que vous conseillez de l'accepter? Sans le montrer, peut-être? Je sais pas. Je crois qu'il faut l'accepter, et en essayant de ne pas le montrer, en essayant de lutter contre... Madame veut intervenir. On se comporte forcément différemment avec ses enfants, puisqu'ils ont des personnalités différentes. Ils sont différents, Mais ce n'est pas forcé qu'on préfère l'autre enfance. On se comporte différemment parce qu'ils ont des... Vous posez la question, Nadia, de savoir si vous préférez votre fille à votre fils? Très honnêtement, j'ai fait un travail sur moi, puisque moi-même, j'ai vécu la différence. Ma mère préférait mon
frère et ma sœur, et j'étais l'enfant, j'étais l'enfant qui était rejeté. Et je me suis dit, est-ce que inconsciemment, je ne reproduis pas le même schéma ? Et je suis même en thérapie pour essayer de comprendre si finalement ces problèmes ne viennent pas aussi de moi. Mais aussi un peu de vous, vous voulez dire ? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, est-ce que le problème ne vient pas aussi de vous ? Oui, alors, mais non seulement il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension du côté des enfants qui impute aux parents une préférence qui peut être imaginaire. Et qui les amène à avoir des comportements de révolte contre des sentiments qui n'existent pas ou des préférences qui n'existent pas. Comment vous avez pris la décision d'éloigner votre fils de la maison ? Parce que c'était surtout pour protéger Natacha, parce qu'il devienne... il devenait extrêmement agressif. J'ai dû appeler la police à 3 reprises. Ah, vous aussi ? Il a 13 ans seulement. Il a aussi menacé d'un couteau. T'as eu peur ? Oui. Et tu n'arrives pas à le calmer dans ces cas-là ? Non. Voilà, donc j'ai trouvé des choses similaires. Disait Natacha, il est quand même moins violent. Donc la seule solution a été les grands-parents. Puis j'ai beaucoup de chance de les avoir. D'ailleurs, je les remercie. Ça a été la seule solution, puisque les foyers de l'enfance, il n'en était pas question. Comment tu expliques l'attitude de ton frère vis-à-vis de toi ? C'est de la haine ? Non. La jalousie ? Peut-être la jalousie, oui. Jalousie, pourquoi ? Ben, il est jaloux de moi. Par exemple, des fois, quand il y a une copine qui m'appelle, il est jaloux, il se met en crise. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de copain, lui ? Voilà, sans doute ça. Il n'a pas d'amis ? Enfin, si, il a des amis. Attention, Léo est passé. Pas des copains, amis. Ah bon ? Des copains comme ça. Pourquoi il n'a pas plus d'amis ? Des problèmes relationnels avec les autres. Il a des problèmes à avoir des amis, des vrais amis ? Voilà. Il t'en parle à toi, parfois, quand il est calme ? Non. Il dit rien ? Non. Tu crois qu'il ne t'aime pas ? Si, mais... Comment tu sais qu'il t'aime ? Mon Dieu. Mon Dieu. Toutes ces lettres avec des cœurs. Bougez pas, on va vous les montrer. Elle regardait. Ce sont des lettres qui vous envoyaient, qui t'a envoyé Natacha depuis qu'il est parti ? Non, quand elle s'absente, elle est partie donc il y a 2-3 mois en classe verte. Dès le lendemain, il lui a écrit cette, puis c'est appliqué, c'est un beau dessin, c'est je t'aime. C'est ça d'ailleurs qu'on comprend pas. Pourquoi cette agressivité ? Il arrive à l'écrire, est-ce qu'il arrive à le dire aussi qu'il t'aime ? Oui. Oui. Et puis parfois, quand même, il devient extrêmement agressif. Oui. Ouais. Ça, depuis quand ? Ben, depuis qu'il a commencé, surtout l'adolescence. Ben, il a 13 ans, c'est il n'y a pas longtemps, alors. C'était calme avant ? Oui, enfin, c'était moins violent. C'est violent depuis qu'il a quel âge ? 10 ans, peut-être. Depuis l'âge de 10 ans ? Il commence à crier ? Il a commencé à crier vraiment plus fort ? Oui. À taper ? Ouais. Comment tu réagis habituellement aux attaques de ton frère ? Ben, j'essaie de me protéger des attaques. Alors, elle a beaucoup de personnalité, puis elle se défend, elle ne se laisse pas faire. Sans être violente en plus, elle arrive. Tu te défends avec des mots ? Oui. Tu lui dis quoi ? Ben, calme-toi, ça ne sert à rien de faire ça. Et ça marche, ça ? Des dire fois. Calme-toi à quelqu'un qui est énervé, généralement, ça... Attention, vas-y Léo. Est-ce que tu essaies aussi d'être gentil avec lui parfois, comme le fait Marion, même quand il est énervé, pour essayer de le calmer, quoi ? Oui. Ce qu'on appelle jouer le paradoxe, quoi, c'est-à-dire une attitude contraire de ce que l'autre attend. Oui, je sais. Ça marche mieux, ça, ou pas ? Oui. Ouais. Est-ce que lui aussi, il essaie d'être gentil avec toi, parfois ? Oui. Ouais. Comment il l'exprime ? Ben, il m'offre des cadeaux, des fois, il est gentil avec moi. Qu'est-ce qui t'étonne le plus, quand il est gentil ou quand il n'est pas gentil ? Ben... Quand tu rentres à la maison, généralement, tu te dis que... Enfin, quand il était là... Tu pensais que ça allait bien se passer, mal se passer ? Tu te posais la question ? Je pensais que ça allait bien se passer. Ouais. Généralement, ça se passe plutôt bien ou plutôt mal ? Enfin, le soir, ça se passe plutôt mal. Ouais. Tous les soirs, il s'énerve ? C'est le soir qu'il a des moments d'angoisse. Alors, surtout au moment du repas, il trouve tous les soirs un prétexte pour se mettre dans tous ses états. Alors, Natacha reçoit un coup de fil, il se frappe même dessus, il se donne des claques. Enfin, il trouve toujours un prétexte pour se mettre dans tout... Mais dans quand tout il se tape, lui, ça veut dire qu'il retient son agressivité plutôt que de la diriger vers vous ou vers sa sœur. Oui, alors il dit qu'il se frappe, lui, pour ne pas frapper sa sœur. Et c'est impressionnant. Et dernièrement, il se donnait des coups de poing. C'était impressionnant. Mais j'ai des difficultés donc, avec ma... depuis la naissance donc, de Natacha. Et ma...
Mais un grand manque de confiance en lui parce qu'il a, lui, ne réussit pas à l'école. Il a de grandes difficultés scolaires dès la maternelle. Mmh. Natacha, elle est à l'école horaire aménagé au conservatoire. Mmh. Elle fait de la musique, elle réussit à l'école. Lui se trouve pas beau alors qu'il est très, il est beau garçon. Ah bon, il trouve sa sœur jolie. Enfin, elle a toutes les qualités. Pourtant, il traite de... Voilà, sa sœur a toutes les qualités. Ça. Alors j'ai beau lui dire, tu te rends compte, tu es en bonne santé, tu es grand, tu es beau garçon. Voilà, il a des qualités que Natacha n'a pas, mais on a beau j'ai beau essayer de le rassurer, il a ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Comment tu réagis habituellement aux attaques de ton frère quand il te traite comme ça? Je dis rien, je fais pas attention à ce qu'il dit. D'accord. Oh, c'est pas vrai, hein. Tu marches au quart de tour. Tout ce qu'il te dit, oui, je te dis de pas faire attention, tu marches au quart de tour. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il continue, parce que tu... Oui, mais des fois, je fais pas attention. Oui, j'aimerais bien. On n'en serait peut-être pas arrivé là. Elle démarre au quart de tour, c'est-à-dire? Ben, elle répond du tac au tac. Il dit quelque chose pour la provoquer. Au lieu d'être indifférente, elle répondra. Elle a un sacré caractère, alors elle répondra. Qu'est-ce qui a changé à la maison depuis qu'il est parti? C'est plus calme. Tu as fait des vacances? Un peu. Il te manque? Oui. Il est parti il y a combien de temps maintenant? Depuis les vacances de février. Ah oui, depuis fin février. Oui, fin février. Ça fait un mois. Quelques semaines, oui. Vous avez écrit des lettres? Oui. Tu lui as écrit des lettres? Oui. Combien? Je crois une. Il se parle au téléphone. Ouais. Et lui? Il y a plusieurs. Et... Ouais. Oui, dit ton frère qui t'aime et qui pense fort à toi. Voilà. Ça vous fait plaisir, Nadia? Oui. Oui. Ça a l'air. Je pense que je le vis très douloureusement parce que moi-même, j'ai un frère et une sœur qui habitent la même région que moi. Et nous sommes comme des étrangers. Et mes enfants ont une très grande complicité depuis qu'ils sont tout petits. Et ce qui m'attriste, c'est de voir que ça s'est dégradé comme ça. D'ailleurs, on me disait, mais c'est rare des frères et sœurs qui sont aussi complices. Proches, ouais. D'ailleurs, on les prend pour des jumeaux alors qu'ils ont 2 ans de différence. Pourquoi, t'es grande par rapport à lui? Non, lui aussi, il est grand. Ouais, donc plus et grand. Ouais. Et puis, si c'est douloureux pour moi, c'est que moi, je suis coupée de ma famille depuis plus d'une vingtaine d'années. Et mes 2 enfants sont la seule famille que j'ai. Et c'est dur à vivre. Cette séparation, c'est... Nécessaire, mais difficile. Elle est nécessaire, et puis c'est la séparation aussi d'avec le père. Donc c'est le père, mais après c'est le fils. Donc c'est trop douloureux. L'homme à chaque fois? Oui, c'est l'homme. Ah tiens, j'avais jamais fait attention, effectivement. Je crois que j'ai... Alors je l'ai eu hier au téléphone, il me dit... donc il continue à dire que je me suis débarrassée de lui, et... Je lui ai fait prendre conscience que si on en était arrivé là, c'est qu'il n'y avait pas d'autre issue. Je lui ai rappelé les violences qu'il faisait subir à sa sœur, les propos racistes qui durent depuis plus d'un an et demi. D'ailleurs, je suis ravie parce qu'à la lettre que j'ai reçue hier, il est en train de prendre conscience que s'il est à Périgueux chez ses grands-parents, c'est qu'il a fait quelque chose de... Il est allé beaucoup trop loin, voilà, il a dépassé les limites. Mais je précise qu'il adore ses grands-parents, il vit au milieu Il n'est pas en prison, ouais. Voilà, il vit au milieu de la forêt, parce qu'il est très proche de la nature, donc il n'est pas malheureux. Quel effet ça vous fait maintenant de voir votre fille et votre fils communiquer, alors au téléphone, par lettre, et se communiquer des gentilles choses? Ah oui, c'est serein, c'est apaisant, mais pourquoi, d'ailleurs peut-être que monsieur répondra à ma question, pourquoi ça n'est pas possible quand ils cohabitent ensemble? Pourquoi il faut être loin pour s'apprécier? Oui, dans ces problèmes de très graves mésententes entre frères et sœurs, il y a la rivalité, il n'y a pas que la rivalité. Il y a une situation où 2 êtres humains sont l'un par rapport à l'autre une épine héritative. Donc, ce peut être effectivement ne pas supporter la différence de l'autre, on l'a vu avec madame tout à l'heure, ce peut être la rivalité, la jalousie, l'impression d'être mieux ou moins bien placé dans l'estime du père ou de la mère. Tout ça sont des épines héritatives. Il est certain que... Des épines irritatives. Voilà, parce que ce qui est vulnérant, c'est la présence physique de l'autre. Il est clair que les séparer à un moment donné permet d'abord d'arrêter cette irritation permanente et éventuellement de commencer à reconstruire quelque chose. Et puis prendre du recul pour voir le meilleur. Ah quoi, pour voir ce qui, donc ce qui c'est tout à fait normal, effectivement, qu'à un moment donné, cette séparation soit le début
d'une amélioration. Ça n'est que le début, naturellement, parce que autrement, c'est une amélioration par l'absurde de séparer les protagonistes. Oui, surtout que là, ça arrive tôt, quoi. Je veux dire, Natacha, tu as quel âge? 11 ans. 11 ans et ton frère 13. Ouais. C'est tôt pour une séparation de... Il va revenir à la maison? Ben, j'espère très bientôt. Hein. Bon, je pense que là, on ne va pas trop le perturber puisqu'il a de nouveau, il est de nouveau dans un collège. Donc il termine son année scolaire. Alors. Voilà, il termine son année scolaire et puis on va voir. Parce que je pense que ce qui est important, ce n'est pas mon bonheur à moi. Et ça compte quand même. Non, mais je veux dire, c'est son équilibre aussi à lui. Je veux dire, si, parce que je vous précise que c'est quand même fait du mal. Hein. Il s'est mutilé. Donc Il souffre. Voilà, il y a une grande souffrance. Donc, ce qui est important, c'est lui et c'est pas moi, quoi. Et qu'est-ce que disent les psys? Il est suivi? Bien évidemment qu'il est suivi. D'ailleurs, il a été suivi très jeune. Je ne me rappelle plus les termes exacts. Peut-être que le médecin va me dire. J'ai plus les termes exacts. Et puis, je suis un peu émue. Oui, il a des moments d'agressivité. Ce sont des troubles du comportement, est-ce que... Des troubles du comportement. Oui, c'est très vague, c'est quand on ne sait pas ce qu'il y a. On me dit qu'il n'a pas de pathologie, par contre. C'est ça. Ouais. Voilà, ouais. Puisqu'il a été hospitalisé, ils ont fait des examens et il n'y a pas de, y a pas de pathologie. D'après ce que dit ton frère Natacha, il est heureux là-bas? Ben, j'espère. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, il me dit tout se passe bien là-bas. Il s'est fait des copains? Oui. Ouais. Est-ce que tu sais quand tu vas le revoir? Ben, non. Peut-être les vacances. Les vacances d'été. Ah oui, je vais le voir, alors. Elle y va fin juin. Il s'est calmé là-bas? Oui, apparemment. C'est ce que disent les grands-parents. Ouais. Vous savez, je me pose la question si le problème, c'est pas moi. J'en arrive à culpabiliser. Bah, de toute façon, bien évidemment, j'ai ma part de responsabilité parce que je pense qu'on a des parcours douloureux. Hein. Je me suis retrouvée seule avec deux bébés sans entourage en étant malade et j'ai dû surmonter tout ça. Ça a été extrêmement dur. Alors, est-ce que j'ai pas transmis à mon fils cette souffrance? On va donner la parole à Yannick et Muriel qui sont avec nous dans cette assemblée, qui sont frères et sœurs. Bonsoir à tous les deux. Votre sœur est à votre droite, c'est ça? À ma gauche. À votre gauche, pardon, excusez-moi, d'accord. Vous êtes assez éloignés l'un de l'autre, vous aimez, mais vous n'arrivez pas vraiment à exprimer votre complicité. Pour quelle raison? En fait, historiquement, ma sœur a une leucémie assez jeune, à 3 ans. 3 ans. Donc, mes parents ont d'emblée essayé de me protéger de ça et de me donner tout pour que j'ai une enfance normale et heureuse, ce qu'ils ont réussi. Hein, j'ai vraiment une enfance tout à fait normale, contrairement à ma sœur qui était soit à l'hôpital, soit à la maison, mais pas dans un état satisfaisant. Oui. Ce qui fait que moi, j'ai une enfance tout à fait normale, sans me rendre compte en fait, que je ne communiquais pas. Et j'ai eu, je me suis échappé en fait du foyer familial entre guillemets, sans communiquer avec mes parents et ma sœur. Je me suis plutôt réfugié vers l'extérieur, le foot, les potes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 35 ans, je m'aperçois que bah, ça fait 30 ans qu'on communique pas, qu'on parle pas. Vous avez d'autres frères et sœurs? Non. Ouais. Et on n'a jamais réussi à le faire en fait. Et c'est un vrai manque. Ni rivalité, ni complicité chez nous en fait. Rien du tout quoi. À la différence, c'est la maladie qui les a... C'est ça, vous, la maladie, vous a rapproché de votre frère. Normalement, la maladie rapproche une fratrie. Et vous, elle vous a éloigné. Comment l'expliquer, Muriel? Bien, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Bon, moi, j'étais très jeune, j'avais 3 ans. Donc, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais cette leucémie a duré jusqu'à l'âge de 20 ans. Hein, donc, Non, après, justement, à cause de cette maladie, à cause des rayons, j'ai eu beaucoup d'autres problèmes de santé, graves aussi. Et donc, j'étais guérie, enfin, la leucémie, j'étais guérie au bout de quelques années. Mais après, c'est d'autres problèmes qui sont arrivés et qui ont fait que... Jusqu'à l'âge de 20 ans, vous avez été fragile, en tout cas. Oui. Quelle relation, quel regard vous portez sur votre frère jusque-là? Ben bon, mon frère, c'est vrai, je l'aimais, mais bon, c'est vrai que j'étais timide aussi, je n'osais pas aller vers lui. Et donc, on se renfermait tous les deux dans notre carapace, quoi. On ne savait pas communiquer. Quand Yannick est parti avec sa Provence, vous avez voulu lui écrire, il n'a jamais reçu votre mot? Oui, même bien avant qu'il parte, comme je n'arrivais pas à lui parler, j'avais fait une lettre que je n'ai jamais réussi à lui donner.
Puis quand j'ai su qu'il allait partir plus loin, là, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal. Il allait s'éloigner encore plus, j'avais pas pu parler avec lui. C'est vrai que j'en ai souffert. Et vous lui avez donné cette lettre à ce moment-là? Non. Pourquoi? Je sais pas. Ça... J'arrivais pas. J'arrivais pas à faire le pas. Et aujourd'hui, vous avez quelle relation ensemble? Vous habitez à distance l'un de l'autre? On habite à distance, oui. Lui, là, de vous retrouver aujourd'hui, par exemple, ça vous fait quoi? Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ah bon? Qu'est-ce qui vous apporte votre grand frère? Intérieurement, je l'aime et il m'apporte beaucoup intérieurement, même si j'arrive pas à parler avec lui. Vous lui dites que vous l'aimez? Oui. Vous lui dites? Non. Vous lui avez déjà dit? Non. Bon. Et vous, Yannick? Non. Ça vous fait quoi d'être avec votre sœur ce soir? C'est difficile d'avoir franchi le pas d'en parler. On se l'est dit tous les deux quand on s'est vus. Même au téléphone, on s'en était pas parlé. On s'est dit on va enfin parler. On va essayer d'en parler. Ça peut être que le déclic. Aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà. C'est douloureux? Douloureux, il y a plus douloureux que ça. Mais surtout le fait de se dire 30 ans sans se parler... on a raté beaucoup de choses, même si les 20 premières années n'étaient pas faciles pour communiquer, on a raté quand même 30 années de communication entre nous et de liens frères-sœurs qui doivent être fabuleux. C'est difficile de nouer ensuite, ou de renouer, c'est délicat. Vous disiez au téléphone que vous n'avez pas grand-chose à vous dire quand vous parlez, alors ça donne quoi? Allô, ça va, et puis voilà, au revoir. Les occasions de se parler au téléphone, effectivement, sont très simples. C'est les anniversaires, ma fille, sont des prétextes, en fait. Sinon, je ne pense pas qu'on s'appellerait régulièrement. Oui. Maintenant qu'il a une petite fille, j'ai plus de sujets à voir avec lui. Mais c'est vrai que sinon, on ne savait pas quoi se dire. Vous êtes attirée par cette petite fille? Vous sentez? Oui. Pourquoi? Oui, parce que moi-même, je ne peux pas en avoir, donc... Je suis très proche d'elle. Oh, c'est mignon tout ça. Dans quelle situation exacte? On avait parlé d'un train où vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas grand-chose à vous dire. Effectivement, ça fait pas longtemps. En plus, ça fait un mois, même un mois. Malheureusement, c'était pas une bonne situation. On a dû passer un long trajet en train ensemble. On n'a pas su quoi se dire pendant les 3 heures qu'on durait le trajet, aller-retour d'ailleurs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, et on ne s'en est pas parlé. On ne s'est pas du tout fait la réflexion après, tiens, on ne s'est pas parlé. Par contre, tout à l'heure, effectivement... Avant l'émission machinalement, en parlant, en préparant l'émission, en nous posant la question séparément, on a dit, ce moment-là, c'est incroyable, c'est le reflet de notre non-communication. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Pour changer un peu les choses. Honnêtement, pas. Enfin, on va pas se dire que tout va être réglé, que dès demain on va s'appeler tous les jours pendant 2 heures au téléphone. C'est pas vrai, parce que ça revient pas comme ça. Mais bon, c'est juste l'occasion de se le dire, alors qu'on se le serait peut-être pas dit, de se dire qu'on s'aime et que ce serait trop bête de passer à côté de ça et de ces relations-là qu'on n'a pas eues étant jeune. Donc, mais après tout, on pourrait se poser la question autrement. Si on pourrait se dire, pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de créer quelque chose entre vous? Si le courant ne passe pas? C'est pas que le courant passe pas. Peut-être que je me suis coupé d'elle inconsciemment. Et je m'en veux. Je m'en veux forcément aujourd'hui. Les 35 ans, c'est l'âge qu'avait le grand frère de Véronique quand ils ont commencé à se comprendre et à se connaître. Ouais. Ouais. Bonne chance. Merci. Merci. Axel Kahn va nous rejoindre pour la conclusion de cette émission, s'il vous plaît. Bonsoir, asseyez-vous, j'en prie. Alors, voilà, maintenant vous avez tous nos invités de face. Qu'est-ce que vous garderez de cette émission, Axel? Bien, l'évidence que la famille, la fratrie, c'est un microcosme d'humanité. Tous les éléments de l'humanité y sont. Il y a la divinité tutélaire, le père, la mère, qui vont devenir également les éléments par lesquels on a accès à la sexualité. Il y a l'autre à travers la solidarité, à travers la rivalité, la jalousie, tous ces éléments que l'on connaîtra. Avec un élément de plus qui est très important entre les frères et les sœurs, qui est qu'un frère et une sœur, on ne les choisit pas. On est obligé à vivre ensemble, il y a une promiscuité, on ne les choisit pas, et il y a une injonction
une, je crois que c'est vous, madame, qui l'avez dit, sa sœur, son frère, on doit l'aimer. Mmh. Mais ma foi, on ne l'aime pas forcément. Et on doit vivre ensemble. Bah, et c'est une situation... Ça commençait mal. Hein. Voilà. On a connu cela, effectivement. C'est dès les origines. Et ça, c'est une situation qui, effectivement, est très traumatogène, qui est propice à tous les conflits. Et puis, il y a l'élément également, à un moment donné, de cette solidarité, parce qu'ils se co-édifient l'un l'autre, de frères, de sœurs. Ils savent très bien que leur personnalité est imprimée par le rapport avec l'autre. Et ça, ça entraîne un regard fantastique sur l'autre. Et il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, qui a en fait transpercé pratiquement beaucoup de vos témoignages, qui est l'importance du don. Dans la famille, il y a l'importance du don que l'on a vu à différents éléments. Alors, naturellement, le don de la vie. Les parents, la femme donnent la vie aux enfants. Il y a le don de la moelle de Véronique à son frère, ce frère qu'elle ne connaissait pas bien. Et par ce don, il va y avoir un rapport qui va se réétablir. Mais il y a le don de la responsabilité d'Axel sur Léo. Il lui fait don, en quelque sorte. Il est, lui aussi, avec les parents, l'autorité tutélaire. Il va s'en occuper. Et lorsque Maxime essaye de reprendre le contact avec Rémi, il lui donne une planche. Il lui donne... et ça, c'est planche de surf. Le surf, voilà. Ouais. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait important. Et on le retrouvera dans la vie. Mmh. La famille, vraiment, c'est la vie avec ce qu'il y a de plus merveilleux et puis de plus difficile également. Nos amitiés à Jean-François, que je connais bien, vous transmettrez. Raisonnable et humain, point d'interrogation. Voilà, c'est la question qu'on pourrait se poser après le débat de ce soir. C'est également le titre du nouvel ouvrage d'Axel Kahn. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous tous. Et si vous le souhaitez, mercredi prochain. Bonsoir. Nous préparons une émission sur les greffes. Vous avez accepté ou au contraire refusé de donner l'organe d'un de vos proches décédés. Vous vivez actuellement dans l'attente d'une greffe. Vous n'acceptez pas l'idée de vivre avec l'organe d'un autre. Vous avez donné un organe à un membre de votre famille. L'un de vos proches est décédé faute de greffe. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.